Bonjour, monsieur, dame. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons avec un petit peu de retard et nous attendons, à dire vrai, l'arrivée du directeur du camp des Milles, mais il nous a fait savoir qu'il serait là dans quelques minutes. Du coup, on va essayer d'utiliser ce petit temps de parole. Donc, soyez les bienvenus au musée d'histoire de Marseille, que je représente. Nous sommes ravis, évidemment, de participer in fine sur cette troisième journée marathonienne autour de ces rencontres Varian Fry. On est évidemment ravis de tous les efforts qui sont déployés par de très nombreux partenaires. Je n'en cite aucun, parce que forcément, j'en oublierai certains. Mais je sais qu'il y a de très nombreux partenaires qui sont associés à ce projet depuis fort longtemps, de partenaires institutionnels, universitaires, mais aussi de partenaires associatifs. Et donc, le musée d'histoire, eh bien, constitue aussi un point de convergence pour l'ensemble de ce partenariat autour de la figure de Varian Fry, qui n'est effectivement pas encore suffisamment connue. Et fort heureusement, ces journées-là, des projets audiovisuels en cours, eh bien, vont permettre à un public très large, en réalité, d'appréhender et d'apprécier et la période, et le personnage, et l'importance de cette histoire qu'il faut porter au plus grand nombre. Donc, au nom du musée d'histoire et à la direction des musées de Marseille, j'excuse Nicolas Liserie qui devait être présent aux côtés de Guillaume Tellière, que je remercie également. Nicolas Liserie est retenu in extremis, mais merci du coup à l'ensemble des intervenants. Bonjour René et bienvenue au musée d'histoire. Et puis, je cède du coup la parole à Bernard Mossé, qui va peut-être vous donner beaucoup plus que moi des éléments de contextualisation, de programmation de cette dernière journée-là. Merci Bernard, merci à vous toutes et vous tous, et je vous souhaite une très bonne dernière journée. Bonjour à tous, et merci d'être venus pour cette journée consacrée, comme vous le voyez, au lieu de résistance à Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je représente ici l'association Ville Marbelle, co-organisatrice de cette journée, avec le musée d'histoire de Marseille, que je remercie, toute son équipe, Fabrice, Laurence, Jérôme et toute l'équipe, qui nous ont permis de, non seulement de nous accueillir, mais d'organiser très assidûment cette journée. La troisième structure qui co-organise cette journée, c'est l'Institut Somum d'Aix-Marseille Université. Et je remercie toute son équipe aussi. Je vais essayer de ne pas oublier dans les remerciements, c'est toujours un exercice difficile. Et notamment Pauline Casabianca, qui est la cheville ouvrière de cette journée. Auparavant, alors Jean-Michel n'est pas là, je veux remercier Jean-Michel Guiraud, le président de l'association Varian Fry France, qui est à l'initiative de ces rencontres internationales sur la résistance par l'art et la culture à Marseille, dans la région, et qui nous a permis d'associer cette journée à ces rencontres qui préparent depuis très longtemps, depuis 3 ans bientôt. Cela a été retardé pour les raisons que vous imaginez. Le but de cette journée, comme l'a dit Fabrice, c'est de faire connaître, à la suite du travail de l'association Varian Fry notamment, mais de beaucoup d'autres encore, des historiens qui sont ici. Je remercie René d'être là, René Drey-Bensoussan et bien d'autres qui ont fait connaître cette histoire, mais sans doute pas suffisamment. Et c'est pour ça que l'association Villa Herbelle s'est créée il y a 3 ans dans l'objectif de créer un centre d'interprétation pour raconter l'histoire de la Villa Herbelle sur les lieux mêmes où elle s'est déroulée, c'est-à-dire dans la cité Herbelle. Une cité, vous le savez, défavorisée de Marseille, dans les quartiers est de Marseille, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un plan de rénovation urbaine d'ampleur nationale. Je remercie Sandra Lafont du Centre social, un grand partenaire de notre association, et pour cet objectif. Et c'est dans ce plan de rénovation urbaine que s'inscrit cette volonté de réhabiliter à partir de la mémoire du lieu, de valoriser les habitants, de dialoguer avec eux sur comment construire un centre culturel qui permette de raconter cette histoire, cette belle histoire de résistance. L'objectif, on en reparlera peut-être suivant vos questions, à travers cette création d'un centre
d'un centre culturel, c'est non seulement de déployer la mémoire, l'histoire, mais c'est aussi de déployer avec Aix-Marseille Université des actions citoyennes en partenariat avec les associations qui travaillent sur place déjà depuis longtemps, développer de la formation, de l'accès à l'emploi dans, encore une fois, cette cité qui en a bien besoin. Donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit notre action et avec déjà une implantation dans la cité grâce au centre social. Nous avons un local qui a permis de mettre en place un dispositif avec l'université, de dialogue, d'enquête auprès des habitants, accompagné, soutenu aussi par le réseau Civis, représenté ici. Je remercie. Et je vois le directeur du Camp d'Émile qui arrive. Et un mot sur le fait que nous allons mettre en place, grâce à un partenariat avec le musée Cantini, un parcours numérique de plein air dans la cité pour pouvoir raconter cette histoire non seulement auprès des habitants de la cité, mais auprès des Marseillais et peut-être au-delà pour la faire connaître davantage, ce à quoi cette journée veut contribuer. Donc, je vais passer maintenant la parole au président de séance, Nicolas Sadoul, parce que parmi les nombreux partenaires que Fabrice a évoqués, outre l'université, le consulat général des États-Unis qui nous soutiennent dans cette action aussi, il y a la fondation du Camp d'Émile. Il se trouve que j'y ai travaillé pendant quelques années et que dans l'objectif que nous avons de créer ce centre d'interprétation, le modèle du Camp d'Émile est une référence. Et je remercie Nicolas Sadoul, son directeur, de dire un mot pour présenter cette matinée et sur notre partenariat. Merci Nicolas. Merci mon cher Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon retard. Je suis très heureux ici de représenter la fondation du Camp d'Émile. Et je tiens vraiment, tu l'as commencé à l'évoquer, à excuser Alain Chouraki qui aurait dû présider les travaux de ce colloque ce matin, mais qui est touché malheureusement par le Covid et qui vraiment est désolé et vous prie d'accepter ses excuses. Mais cela l'a forcé à rester confiné. Vous connaissez son énergie pour celles et ceux qui l'ont rencontré. Il aurait vraiment voulu être présent. Donc, monsieur le directeur Fabrice Denise, madame Laurence Garçon, et puis toute l'équipe du musée d'histoire de Marseille qui accueille ce colloque et qui le co-organise, avec le soutien des musées de Marseille et de la ville de Marseille, que je voudrais vraiment remercier. Bien sûr, l'Institut Somum d'Aix-Marseille, université, et notamment sa directrice, Sylvie Mazella. Et puis, je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Michel Guiraud de l'association Varianne Fry France pour cette initiative et cette co-organisation de ces splendides rencontres internationales. Alors je voudrais bien sûr, au nom du Camp d'Émile et au nom du président Chouraki, remercier chacune et chacun des intervenants, mais je n'en aurai pas le temps. Mais je tiens quand même à remercier particulièrement la présence de Guillaume Teuillère, conservateur du musée Cantini. Et bien sûr, je ne pourrais pas l'oublier, remercier amicalement René Drébène-Soussan, qui est par ailleurs l'un des piliers de notre conseil scientifique à la fondation du Camp d'Émile. Tu l'as dit, je ne sais pas s'ils sont présents, je n'ai pas eu l'occasion de les voir, et remercier le consul général des États-Unis, Christian Gower, et puis ses représentants. Et puis je voudrais vraiment remercier tout particulièrement Bernard Mossé, au nom d'Alain Chouraki, qui aurait dû dire ces quelques mots et qui a insisté pour que je m'en fasse l'écho, ce qui n'est pas très difficile pour moi, de remercier Bernard, rendre hommage au travail extraordinaire qu'il a fait à la Fondation. Et moi, en étant directeur depuis 2 ans et demi, d'abord, j'ai eu la chance et j'ai la chance encore de compagnonner à ses côtés, mais je me rends compte combien, et j'y reviendrai, ce travail de 30 ans, de 10 ans en particulier, est extraordinaire
Et je pense que vous avez vraiment, pour les partenaires, les porteurs de ce beau projet autour de l'association Herbel, autour de Varian Fry, vraiment une chance extraordinaire que Bernard soit l'un de ses acteurs principaux. Et je voudrais vraiment le remercier. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir pour son talent et pour son énergie. Merci. Pour un peu caler mon intervention par rapport au retard que j'ai pu prendre, combien ai-je de temps, mon cher Bernard ? 3 minutes ? Encore 5 minutes. Voilà, vous dire quelques mots sur le projet de la Fondation qui a commencé il y a plus de 30 ans, dont l'ouverture s'est déroulée en 2012. Vous avez bien compté, nous fêterons et nous fêtons cette année les 10 ans de l'ouverture, et qui est parti, ce beau projet est parti de la volonté de quelques-uns de préserver une salle attenante au bâtiment principal qui s'appelle la salle des peintures et qui est l'expression de la création des internés qui ont été confinés au camp des Milles à partir de 1939 jusqu'en 1942, où là, vous le savez sans doute, après avoir été un camp de déportation de transit, un camp d'internement de transit, ce fut un lieu de déportation vers Auschwitz, où près de 2000 personnes, 1933 personnes, ont été envoyées à la mort. Et ce projet, qui était totalement ignoré, certes du voisinage, en partie, des institutionnels, entre le déni et l'ignorance, est parti effectivement de la volonté de préserver une salle des peintures qui avait été décorée, si je puis m'exprimer ainsi, par les internés. Déjà, l'expression de ce qui est l'ADN de la Fondation, c'est-à-dire la résistance par l'art et les manifestations nombreuses que vous connaissez sans doute pour celles et ceux qui l'ont visité, la manifestation de cette résistance par l'art, de cette volonté indéfectible de créer, d'abord pour essayer de trouver du sens à quelque chose qui est totalement absurde lorsqu'on est interné parce que on fuit le nazisme venant d'Allemagne ou d'Autriche, et parce que c'était là l'expression d'une forme de solidarité, mais aussi, je le redis, d'une forme de résistance. Vous dire en quelques mots que au-delà des dimensions historiques, mémorielles, qui sont fondamentales, et je le dis en cette année du 80e anniversaire des commémorations des déportations qui se sont déroulées à partir du camp des Milles pour toute la zone sud, la Fondation a développé, vous le savez, un volet réflexif qui part d'une intuition géniale, et je le dis devant plusieurs membres du conseil scientifique qui ont participé activement à la structuration de ce volet réflexif, cette intuition scientifique géniale qui est de se dire, est-ce que la Shoah, ce moment terrible, unique dans l'histoire, peut être utilisé pour comprendre d'autres crimes de masse, crimes génocidaires et génocides. Et le conseil scientifique, emmené par Alain Chouraki, a répondu positivement à cette question en convoquant, je regarde René, bien des sciences humaines et sociales pour y parvenir et arriver à modéliser dans un schéma récapitulatif les processus, les engrenages communs aux crimes de masse, aux génocides, aux crimes génocidaires et aux génocides, et qui fait que quand les visiteurs, scolaires, jeunes, adultes, visitent et sont confrontés à cette proposition de mieux comprendre l'histoire, mais aussi de mieux comprendre le présent, il y a là des clés de compréhension qui sont transmises et qui permettent de montrer, en évitant les deux pièges, et je parle de beaucoup de scientifiques, les pièges, bien sûr, d'une part de l'anachronisme, et le deuxième piège énorme, celui du déterminisme, mais qui permet de comprendre les leçons de l'histoire pour essayer, tenter de mieux comprendre le présent et de mieux comprendre l'état de nos démocraties qui sont prises en tenaille, comme on dit certains chercheurs, entre deux formes d'extrémisme, identitaire nationaliste et religieux, d'autre part. Pour évoquer cette question, notamment en lien avec ce travail important qui nous mène à pouvoir envisager les thèmes du colloque d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, qui nous intéresse à bien des raisons. D'une part,
la méthodologie qui est utilisée dans le cadre de ce projet, qui associe à la fois un projet associatif important et une exigence scientifique forte, et comme je vous le disais, qui pointe des convergences très importantes entre l'ADN de la Fondation, l'axe programmatique créé pour résister, et le travail entrepris autour de Varianne Fry. Vous le savez, l'histoire du camp des Mille avec le projet Herbel est historique, d'une part parce que, et je laisserai M. Guiraud parler de Varianne Fry plus précisément sans doute, mais parce que nombre d'internés qui sont passés par le camp des Mille lors de la première personne, Max Ernst bien sûr, Lion Fetchwanger, Erich Hittorkan, Goloman, Jan Meyerowitz, Otto Meyerhoff, Erich Schnotz ont laissé des traces. Et donc, c'est aussi un peu de notre histoire du camp des Mille que nous évoquons quand nous évoquons le magnifique engagement de Varianne Fry. Mais aussi parce que, en tant que chaire internationale de l'UNESCO, avec AMU, vous le savez, nous déclinons un dispositif qui s'appelle le label citoyen, et qui permet à des porteurs de projets, s'inspirant du travail scientifique que nous avons fait, de développer eux-mêmes des projets. Et c'est ce qu'a entrepris Bernard avec son équipe, et le projet Herbel est l'un des résultats de ce travail d'accompagnement dans le cadre du label citoyen, en partenariat, là aussi, partenariat fructueux avec AMU et dans le cadre de CIVIS. Et enfin, nous ne pouvons que, par rapport aux enjeux mémoriaux, historiques et citoyens que vous voulez relever, assurer le projet Herbel et les magnifiques rencontres d'aujourd'hui qui ont été notamment présentées le 7 avril dernier, où nous étions présents, vraiment vous remercier et souhaiter une belle réussite à ce projet et une excellente journée pour ce colloque scientifique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, un mot du programme de la journée, très rapidement. Peut-être revenir au programme. Donc, et d'abord, excusez les absences de Nicolas Miséris qu'a fait tout à l'heure Fabrice. Mais je remercie beaucoup Guillaume Tellier qui va commencer à nous parler des surréalistes à Marseille et assumer aussi en partie l'intervention que devait faire Nicolas Miséris, le directeur des musées de Marseille, sur le surréalisme dans l'art américain. Donc je le remercie vraiment d'avoir à la volée assumé les deux interventions. Donc ça sera la première partie de la matinée, puis une deuxième partie qui sera consacrée aux organisations de sauvetage, aux associations de sauvetage. C'est René Drébène-Soussan qui prendra le relais. Et elle aussi, je la remercie d'avoir à la volée non seulement va assurer son intervention sur l'AITEM, une des associations de sauvetage très importantes qui a permis de l'émigration de nombreux juifs, mais aussi de voir un petit panorama que devait faire Robert Mancherini, qui lui aussi a des soucis de santé. Et donc, merci encore à René. Et puis, on terminera la matinée avec la présentation d'un petit film sur Varianne Fry et sur la Villa Herbel de Diana Pauline et Alain Guyot, qui sont ici présents. Je remercie pour leur présence encore. Et peut-être que ce sera l'occasion, si on a un peu de temps, de discuter du projet. Et puis, pour l'après-midi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, je laisse la parole à Guillaume Tellier pour nous parler des surréalistes à Marseille et à partir sans doute d'une exposition qui a été un tournant à la planète affolée au milieu des années 80 et qui marque un tournant dans la connaissance et la reconnaissance de cette histoire. Absolument. Ben, merci beaucoup, cher Fabrice, tout d'abord nous accueillir au musée d'histoire, cher Bernard Mossé aussi pour l'organisation et avec votre équipe aussi de ce colloque qui a commencé donc aussi en début de semaine, organisé aussi par l'association Varianne Fry, très active grâce à Jean-Michel Guiraud
Et je voulais vous remercier aussi personnellement, Bernard Mossé, pour nous avoir permis, enfin en tout cas m'avoir permis, de faire une visite de ce qui est devenu la Villa Herbel, c'est-à-dire au fond une grande destruction, un désolement. Et c'était un moment assez troublant, en fait, je dois dire, dans ma vie de conservateur, de me rendre sur le lieu dit. Ce n'est pas évident, au fond, de s'y rendre, hein, parce qu'on connaît la situation sociale de la cité Herbel, des trafics que ça a généré, que ça génère à Marseille. Hollywood, Netflix a déjà parlé de ça, ils vont parler d'autres choses aussi maintenant, Netflix. Et c'est vrai que ça a été un moment assez sombre, mais aussi qui a généré une énergie nouvelle, au fond, sur la figure de Varianne Frac, mais aussi pour nous, conservateurs au Musée Contini, l'équipe du Musée Contini aussi, et je remercie Géraldine Bousquet, qui est responsable, entre autres, de la programmation culturelle, la programmation des expositions au musée. Et c'est vrai que, moi, après cette visite, presque quotidiennement, en me rendant au musée, je pensais à Varianne Frac, au fond. J'y pensais déjà beaucoup, énormément. Je pense plus à Varianne Frac, presque à Jules Contini, en me rendant au musée Contini. Mais c'est vrai que d'un coup, notre métier a pris une autre dimension. C'est-à-dire qu'il a fallu se dire comment rendre vivant, au fond, toute cette histoire, la refaire vivre auprès des habitants qui vivent au quotidien avec ce que nous, conservateurs, historiens, artistes, on a en tête. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu absolument crucial que vous êtes en train de mener, de créer un centre culturel à Herbel. Donc franchement, voilà, je voulais vous dire bravo, parce que c'est une entreprise qui n'est pas facile. On a rencontré les habitants à ce moment-là. C'était un moment très étonnant au fond, mais très sensible. C'est avec beaucoup d'émotions aussi qui étaient partagées. Voilà, donc on va tout faire, évidemment, nous, Musée Contini, modestement, comme l'était Varianne Frac, vous aider pour cette entreprise et on prêtera s'il faut des œuvres. En tout cas, il y a aussi le moyen de montrer aujourd'hui de manière virtuelle. Donc ça, évidemment, on le fera. Et j'espère que ce sera un moment d'échange collectif aussi, parce que cette notion-là de collectif qui appartient au giron même du surréalisme, eh ben, il faut qu'on la défende continuellement. Et c'est notre devoir. Et c'est vrai qu'au fond, durant ces journées de colloques là, auxquelles j'ai pu un peu assister, je me suis dit qu'en tant que conservateur, plus que conserver des œuvres, eh bien, au fond, on conserve notre équipe des morceaux de liberté, très précieux au fond. Et c'est des morceaux qui sont très rares, et on est peut-être un des rares musées en France à les conserver, ces œuvres. Ces dessins, ces bouts de papier, hier Alba Romain, Pacheco en parlait très brillamment, cette fragilité des œuvres que je vais vous montrer, eh bien, on ne peut pas les montrer tout le temps non plus, parce que ce sont des œuvres sur papier très fragiles, on peut les exposer que 4 mois, 6 mois durant maximum, à hauteur de 50 lux en termes de lumière, c'est très fragile. Et finalement, la fragilité de conservation préventive de ces œuvres, elle est à l'image de la fragilité des hommes, des femmes qui ont créé ces œuvres lorsqu'ils étaient à Marseille et Herbel. Ça a été un tournant dans leur vie, ça a été un tournant même pour l'art moderne, en général, et pour aussi, Varianne Frac a œuvré au fond pour l'histoire de l'humanité en général. Voilà, je voulais introduire mon propos ainsi, et aussi avec, il y a eu ce moment assez intense de me rendre à Herbel, au lieu dit, et j'ai vécu aussi là, très récemment, donc dans ma courte carrière de conservateur, un moment, je crois, le plus surréaliste, je pense qu'on puisse vivre dans une carrière de conservateur, parce que j'ai rencontré au musée Contini, figurez-vous, Jacqueline Lambat, André Breton, Varianne Frac en personne, Marie-Jane Gold. Voilà. Alors, évidemment, vous allez vous dire, mais de quoi il nous parle? Il est 9h du matin, on est encore dans les troubles surréalisants, dans le rêve éveillé d'André Breton. Il n'en est rien, évidemment. Et en fait, c'était un moment assez, là, plutôt sympathique, au fond, de rencontrer l'équipe d'Anna Winger, donc du coup, la réalisatrice de cette série, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse à Marseille, Transatlantique, du coup, qui va rendre hommage à Varianne Frac. Donc ça va évidemment avoir un vrai effet de com, un vrai effet de communication. Mais il y aura une romance, évidemment, là, hollywoodienne. Je reparlerai dans ma présentation d'Hollywood, parce que certains artistes américains aussi avaient ça en tête. Et au fond, ça va permettre aussi de redonner toute l'ampleur de ce personnage qu'il mérite.
Et j'avoue que j'ai regardé hier Les Illusions perdues, qui est un très grand film. Et donc, l'un des acteurs des Illusions perdues, qui est très bon, joue la figure d'André Breton. Il a cette tête, ce nez aquilin qui lui était très caractéristique. Donc, quand même, on va pouvoir revivre un petit peu cet instant. Mais c'était intéressant de dialoguer avec eux parce que l'équipe Netflix n'a pas non plus recréé à stricto sensu l'univers du jeu de Marseille, par exemple. Ils ont travaillé de concert avec une équipe scientifique dédiée, une directrice artistique, historienne de l'art. Et ils ont pris le parti de rejouer le jeu de cartes, finalement, de redessiner des cartes à la manière contemporaine, comme ce qu'a fait d'ailleurs un petit peu, au fond, et elle en parlera bien mieux, Pamela King en 2020, avec Monique Derigibus, d'ailleurs, qui avait participé à ce très beau projet de revisiter le jeu de Marseille. Voilà, donc c'était une courte introduction. Par rapport donc à cette aventure qui va nous amener, qui commence au fond, c'est vrai que les musées de Marseille et Varian Fry et Herbel, c'est une histoire qui nous lie presque de manière intime. Même la naissance des musées de Marseille est liée à Varian Fry. Vous parliez donc de cette exposition fameuse, La planète affolée, qui a eu lieu en 85-86. Elle n'a pas lieu au musée Cantini, elle a lieu à la Vieille Charité. C'est un moment, c'est un phare pour nous, cette exposition conservateur, historien d'art. C'est le premier catalogue, moi, quand je suis arrivé dans les musées de Marseille, qu'on a pu m'offrir. L'exposition s'appelait La planète affolée, en référence évidemment à ce fameux tableau de Max Ernst, qui est conservé aujourd'hui en Israël. Elle est organisée par Germain Viat, qui est le premier directeur des musées de Marseille. André Dimanche aussi a participé à cette aventure-là, il faut le souligner. Il va participer à une autre aventure, qui est celle de l'édition du jeu de Marseille, qu'on vend à la boutique du musée Cantini aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a été un moment absolument remarquable. Jacques Hérold, qui était à Herbel, vient au vernissage. Et évidemment, Gaston Defer, on le voyait hier, cher Alain, dans vos images, vient visiter cette exposition très attentivement. C'est les derniers instants même de sa vie, c'est-à-dire qu'il... Et il lègue à Marseille la Vieille Charité aussi, parce que c'est Gaston Defer qui confie les clés de la Vieille Charité à Germain Viat pour en faire le lieu culturel que vous connaissez, ce fabuleux musée. Et c'est vrai que cette exposition va énormément résonner. Elle s'intitulait donc « La planète affolée, surréalisme, dispersion, exil » et « Les bornes chronologiques, 1938-1947 » correspondaient au fond à cette idée de l'internationalisation du surréalisme. Comment ce surréalisme, en fait, ensuite s'est exporté? Il naît certes en France, en 1924, mais il va y avoir une très large diffusion. Et Marseille, Varian Fry, va contribuer, évidemment, en sauvant les artistes à cela. Et à la diffusion, ensuite, de ce qu'on a pu appeler, alors récemment, nous, dans l'exposition qui a été menée brillamment par Éric de Chassé, commissaire de ce projet, sur le surréalisme dans l'art américain. Alors, entendons dans l'art américain, on pourrait penser à un propos beaucoup plus large. Il faut peut-être resserrer quand même le discours en disant plutôt dans l'art états-unien, parce que c'est ça qui nous a aussi intéressés. Xavier Rey aussi était directeur à cette époque-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on discutait de nos futurs projets d'exposition. On était en partance à ce moment-là pour Nice, pour aller négocier des prêts pour l'exposition Par hasard, pour laquelle d'ailleurs on avait présenté aussi des cadavres exquis d'Herbel. Et de la discussion est né ce projet où on s'est dit, ben finalement, il faudrait peut-être parler de ce surréalisme dans l'art américain. Et par contre, on ne pouvait pas le faire sans Éric de Chassé. Et ensuite, évidemment, très brillamment, Nicolas Miseri, donc notre nouveau directeur, a organisé aussi tout cela d'une main de maître, et c'est devenu l'exposition que vous avez pu découvrir à la Vieille Charité dans ce lieu fabuleux. Donc ça, c'est La Vieille Charité, mais il y a aussi le musée Cantini. Et il y a eu un moment aussi très important pour nous dans notre histoire, qui a scellé au fond un petit peu, qui a donné aussi un guide à notre programmation. Dans les années 2000, 2003, après ou en marge de la vente, grande vente Breton, Ob Breton, Ob Elouette Breton, plus exactement, décide de donner à Marseille, au musée Cantini, particulièrement,
Et en hommage, ça c'est important de le signaler parce qu'on le note constamment dans nos cartels. Encore aujourd'hui, vous pouvez aller au musée Cantini voir une partie de ces jeux de cartes. Je vous dirai après, il en manque quelques-unes parce qu'elles sont à Venise en ce moment. Et Hobbes donc décide de donner ce fameux jeu de Marseille qui est devenu un ensemble de dessins collectifs. C'est en tout une quarantaine d'œuvres. Et donc elle confie ses dessins, fragiles, aussi fragiles soient-ils, à la directrice des musées de l'époque, à Daniel Giraudy, qui est parmi nous d'ailleurs. Et pour nous, ça a été un moment absolument crucial pour l'histoire du musée Cantini, parce qu'à partir de là, il y a eu la planète affolée, mais il y a eu cette exposition aussi sur le jeu de Marseille que Daniel a organisé avec Nicolas Sandeau, qui était conservateur à l'époque au musée Cantini. Et à partir de là, l'équipe scientifique a organisé aussi des monographies de tous ces artistes qui ont participé, qui étaient à Herbel, je pense donc à Oscar Dominguez, à Jacques Hérold, à André Masson, et j'y reviendrai, on prépare un projet dans cette lignée-là sur Jacqueline Lamba, parce que c'était peut-être aussi très important de la découvrir aussi dans notre musée, et on prépare une exposition pour 2024 avec Alba Romano Pache, qui sera co-commissaire 2024, donc pour célébrer le centenaire du surréalisme. Donc voilà, pardon d'être un peu long, mais je pense que c'est important parce que on pense musée Cantini, Jules Cantini. Il faut savoir que finalement en 1940, je me suis un peu penché avant cette conférence, qu'est-ce qu'était le musée Cantini pendant la guerre, et bon, évidemment, comme beaucoup de musées, ils souffraient de fermeture. Il y avait une exposition qui était prévue en 1939, je crois, sur les faïences, et qui va être rapidement annulée. Et donc, le musée Cantini jouxte, finalement, est voisin du CAS, du Comité américain de secours, qui va s'établir ensuite au 60 rue Grignan. Donc, il y a une filiation. Mais le musée Cantini, finalement, Jules Cantini va léguer à Marseille tout un ensemble d'œuvres, plutôt dans le registre de l'art décoratif, mais il avait le souhait, évidemment, que ça soit un musée d'art moderne. Et au final, c'est Varian de Fraille qui devient presque notre figure tutélaire à ce musée et qui nous guide au quotidien. Alors, cette histoire, cette historiographie des artistes en résistance à Marseille, je souhaiterais d'abord la commencer plutôt en 1939, non pas en 40, à Chemillieu. En fait, c'est une histoire peut-être qu'on a un peu tous oublié, mais certains artistes, et c'est important de parler de Chemillieu parce que ça va être le point de départ aussi d'artistes qui vont, avant le départ de Breton, de sa famille, de Jacqueline, d'Aube, de Masson, vont s'établir aussi aux États-Unis et vont commencer aussi cette aventure-là qui va inspirer et qui va infuser au fond le surréalisme dans l'art américain. Donc à Chemillieu, Gordon Onslowford, qui est un artiste surréaliste d'origine britannique, va louer une grande bastide et le rejoignent Roberto Matta et Esteban Frances notamment, mais également, ils ne sont pas là sur la photo, André Breton, Jacqueline, Aube vont également venir à cette occasion. Et apparemment, on raconte, Matta d'ailleurs le raconte, on a organisé une exposition Matta en 2013 au musée Cantini, et il raconte, ça a été un des premiers moments où il a été au contact vraiment de cette idée de jeu collectif. Comment finalement passer le temps par des jeux surréalistes, le cadavre exquis évidemment, le dessin communiqué aussi. C'est un nouveau jeu qui commence à se mettre en place. Les artistes regardaient le dessin préalablement par un ami, 3 secondes, et il devait ensuite, de mémoire, reproduire ce dessin, et ainsi de suite. Et ça crée comme ça une sorte de suite qui transformait le dessin préalable. Donc Matta va avoir en tête cet élément. J'oublie un artiste à Chemillieu, très important, qui est Yves Tanguy également, il n'est pas sur la photo, et une autre artiste, c'est Kay Sage. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Yves Tanguy va rencontrer Kay Sage, qui était une artiste peintre, qui était marié à un prince italien et va quitter donc ce prince pour Yves Tanguy. Et donc tous ces artistes qui sont là réunis à Chemillieu vont s'exiler dès 1939, s'installer ensuite aux États-Unis et vont peut-être préparer le terrain pour la venue, notamment des Bretons, parce que c'est chez Yves Tanguy et qu'essayent, au fond, dans le Connecticut, après qu'ils vont commencer à s'établir et recréer une forme d'antenne surréaliste. Alors, on parle aussi souvent de Marseille, mais on oublie un peu
Ça, là, je remercie, elle n'est pas là, mais enfin, je remercie surtout Fabrice Maz aussi, parce que, qui va intervenir, documentariste, qui m'a mis en lien avec Hop Breton, avec Alba, et avec Anna Eger, qui est iconographe, qui travaille auprès d'Hop et qui m'a permis aussi de ressortir des images un petit peu d'archives, parfois inédites, notamment celle-ci. C'est-à-dire qu'on commence souvent l'histoire de Varian Fry et des surréalistes à Marseille, et, donc à Marseille, à la cité phocéenne, mais au fond, ça commence à Martigues, dans un petit cabanon. c'est André Breton qui peut avoir donc laissé passer, parce qu'il a une activité de médecin militaire, se rend d'abord à Martigues, il est rejoint ensuite par Jacqueline et Hobbes, qui étaient à Royan à ce moment-là, auprès de Picasso et de Doramar. Et donc ils se rejoignent à Martigues parce qu'ils ont entendu parler évidemment de ce fameux Varian Fry qui s'est établi depuis août 40 à Marseille. Donc il s'installe donc dans un petit cabanon. À ce moment-là d'ailleurs, Breton continue d'écrire. Il n'arrête jamais d'écrire, André Breton. Certains artistes n'arrêtent jamais de peindre. Et il écrit à Jean Ballard des lettres pour voir s'il pourra publier dans les Cahiers du Sud. S'il pourra organiser des expositions. Donc il y a une relation épistolaire qui continue et il commence comme ça à se connecter avec le réseau qui est en train de se tisser à Marseille. Parce qu'il faut imaginer au fond Marseille, bon, là je caricature, mais Marseille en 1940 va accueillir au fond tellement d'artistes, tellement d'intellectuels, tellement de musiciens, de danseurs. Au fond, il y avait peut-être plus d'artistes et d'intellectuels qu'il y en a eu quand on était capitale européenne de la culture. Ça a été un moment où il a fallu délocaliser quand même la vie culturelle parisienne après la débâcle dans le sud, dans la zone libre, dans ce port qui est notre chère cité phocéenne, qui est encore le seul port un petit peu actif. Et au fond, c'est ça qui commence à se délocaliser dans plusieurs endroits. C'est-à-dire que, là, je vous montre Martigues, mais il va y avoir à Marseille tout un ensemble, pas qu'Herbel, hein, pas que finalement chez la comtesse Paris, mais il y a plein de petites cellules, au fond, de résistance. Parce qu'il faut bien l'entendre ainsi, au fond. C'est une résistance qui se met en place. C'est une des premières résistances. Quand on parle de Varian Fry, on parle de première résistance. Mais c'est le cas. Les artistes, les intellectuels, quand ils continuent à créer, à penser, ne serait-ce que penser dans ce monde affreux qui arrive, c'est de la résistance. Et d'ailleurs, il y a cette phrase de Breton qui m'a toujours guidé dans ces recherches-là. Il écrit ce mot à propos de Pétain. Et de Goebbels, il nous dit « J'écrivais en 1924, au début du premier manifeste du surréalisme, le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. » La liberté, c'est fondamental. « Cette exaltation m'est restée. Liberté. Quelque usage grossièrement abusif qu'on ait essayé de faire de lui, ce mot n'est en rien corrompu. Il est le seul qui brûlerait la langue de Goebbels. C'est lui qui a commandé l'inscription que son compère Pétain n'a pu supporter au fronton des monuments publics. » Effectivement, donc c'est crucial. Il dit ça en fait lors de conférences Breton lorsqu'il arrive aux États-Unis à Yale. Et ce terme de liberté, voilà, il est crucial pour nous. On conserve aujourd'hui cela. Et ces colloques, ils sont là aussi pour. On doit les réitérer constamment. Donc je vous ai mis aussi là, voilà, un point de Marseille pour rappeler un petit peu ce réseau qui va commencer à se constituer. Donc évidemment, Varian Fry est arrivé donc en août 40, il s'établit d'abord à l'hôtel Le Splendid. Très peu de moyens pour Varian Fry, juste cette liste qu'on lui donne de 200 noms. Lui, volontaire, 32 ans, enfin, c'est une jeunesse quand même assez exemplaire et un courage. Il était déjà venu en Europe au fond et c'est l'un des premiers quand même à signer ce qui va se passer. Il arrive, il a une vingtaine d'années à Berlin, il est témoin après de pogroms, d'autodafé, il signale ça dans ses articles de presse aux États-Unis, et il a perçu cela. C'est pour ça aussi qu'il y va, qu'il se rend à Marseille. Il a 3 000 francs en poche, il est subventionné donc, par Eleanor Roosevelt, mais aussi, on verra, ensuite par Mary Jane Gold, par Peggy Guggenheim aussi. Et donc c'est un établissement précaire. Et il constitue son équipe. Je ne vais pas aller dans les détails parce que tout ça a été brillamment dit dans les précédentes interventions, mais il y a une personne aussi à ses côtés qui est fondamentale, Daniel Bénédit. Son fils était parmi nous, Pierre Bénédit aussi, lors de ces moments-là. Et l'un des rares témoins encore de cette période avec Hop Breton. Et c'est vrai qu'ils vont créer comme ça une petite équipe très courageuse, tout un ensemble, et constituer ensuite ce qui va devenir donc le comité américain de secours pour délivrer ces fameux visas pour fuir.
Donc, matériellement, il va falloir aussi avoir de la place, parce que très vite, les artistes, en tout cas les intellectuels, sont au courant, sont au fait de cela. Et pour la famille Bénédite, notamment, pour Théodora, sa femme, il est urgent de trouver un endroit quand même un peu plus convenable pour se loger à Marseille, parce qu'évidemment, il faut imaginer une ville de Marseille assez... C'est compliqué de gestion d'urbanisme et de logement dans les années 40. Et donc, Marie-Jane Gold, Théodora Bénédite vont se rendre dans le quartier de la Pomme. Ils cherchent un endroit à une demi-heure à peu près du centre-ville, en tramway. Tramway qui fait la jonction Marseille-Aubagne. Et donc, ils s'arrêtent à la Pomme et ils vont visiter cette villa Herbel que je vous présente ici. Image d'archives, et qui est en fait, qui appartient à un certain docteur Tumain, qui est un homme assez excentrique, qui collectionne aussi, qui est passionné d'ornithologie, et qui au départ n'est pas très sensibilisé non plus par. Et ne veut pas louer, on est dans un contexte quand même de dénonciation, hein, évidemment, dans ces années-là. Et lorsqu'il entend au fond l'accent anglais-américain de Marie-Jane Gold, qui lui parle aussi de moyens financiers, ça commence à éveiller aussi sa curiosité. Et ce qui éveille aussi la curiosité, par contre, de Théodora Bénédite, aussi, c'est une vache, parce qu'apparemment, il y avait une vache aussi dans cette... Si vous imaginez Herbel, avec une campagne luxuriante, au fond, vue sur mer. Et donc, la vache aussi va pouvoir donner du lait aux enfants, notamment à Pierre. Et donc, une négociation s'entame, et finalement, la villa Herbel va pouvoir être louée ensuite par le comité, et y loger notamment donc Varian Fry, Bénédite, sa famille, Breton, Jacqueline Lamba, Hobbes et Victor Serge aussi, sa femme, Laurette Séjourné. Victor Serge qui est un dissident trotskiste, alors lui il est vraiment au fond ciblé de toutes parts, hein, entre les staliniens et le régime de Vichy. Et il est habitué, au fond, lui, à vivre dans cet inconfort. Marie-Jane Gold le décrit très bien. Là, je suis en train de lire donc, son livre sur cette époque-là. C'est un livre assez saisissant qui parle des jeux collectifs, notamment. Varian Fry aussi, son livre est fondamental. Les écrits de Bénédite aussi, sur ce moment-là. Je voulais peut-être revenir sur cette petite carte, parce que voilà, je vous ai parlé d'Herbel, le quartier de la Pomme. Mais aussi, il va y avoir un lieu de réunion sur le Vieux-Port, juste en contrebas en fait, des Cahiers du Sud, qui étaient établis par Jean Ballard, ce qu'on va appeler le perchoir d'ailleurs à cette époque-là. Et Jean Ballard va accueillir donc, comme ça, de nombre d'intellectuels, notamment Simone Veil apparemment, qui venait régulièrement au Cahiers du Sud. Et en contrebas, donc, il y avait ce café du Brûleur de Loup, qui va devenir un lieu de repère des surréalistes. Apparemment, c'est là aussi qu'ils auraient un petit peu mûri ces projets de jeu collectif et du jeu de Marseille. On parlera aussi un petit peu dans cette présentation de la comtesse Pastret, qui va établir et qui va loger André Masson dans le quartier de Montredon. Donc Masson, au fond, est un peu déconnecté d'Herbel, mais il va s'y rendre très régulièrement. La route est très escaliée parce que c'est ici, donc, dans ce quartier de centre-ville, près de la Porte d'Aix, que va se lancer cette coopérative des croque-fruits qui permettait aux artistes donc, de continuer une activité. Et les artistes donc, n'étaient pas tous logés à Herbel. Certains étaient logés en plein cœur de ville, notamment Hérold, qui était logé rue Sainte-Barbe et qui se rappelle de l'aspect assez d'ailleurs insalubre du voisinage. Alors, revenons quand même à Herbel, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. J'ai mis donc ces reconstitutions qui avaient été faites vraiment par l'association Herbel. C'était pour dès 2013, je crois que ça avait été réalisé, cette reconstitution. Ça permet d'avoir un bel aperçu, cet espace quand même. C'est important de quand même imaginer la nature environnante. La vue sur mer est importante pour nos artistes. Et aussi cet espace un petit peu bucolique, parce que ça va inspirer ensuite, tout cet imaginaire un peu naturaliste va les inspirer durant toute leur pratique artistique. Donc il y a des images, bon, je les repasse parce qu'elles sont quand même assez fabuleuses. Au fond, c'est très rare témoignage. Ici, on voit... Donc Jacqueline Lamba, je vais essayer ce petit, voilà, Jacqueline Lamba, sa fille Hobbes, on a Peggy Guggenheim, André Breton. Donc André Breton qui finalement la villa Herbel aussi, il y a cet aspect bucolique, mais l'intérieur a déjà peut-être un décor un petit peu baroque, un peu rococo,
presque pré-surréaliste aussi. Il y avait ces fameuses tapisseries mythologiques. Et la question du mythe, j'y reviendrai, est phénoménale, enfin, cruciale aussi pour André Breton à ce moment-là. Parce qu'il continue à écrire, hein, là on le voit écrivant, sûrement quelques pages de son poème qui restera fameux, Fata Morgana, c'est un de ses plus beaux poèmes au fond, où Jacqueline Lamba est encore la muse, évidemment, elle était déjà dans l'amour fou, et c'est l'amour fou ensuite qui va donner naissance à Ob. Et Fata Morgana, c'est la description d'une aube matinale, un rêve éveillé au fond où tout se transforme, cette vie-là, comme ça, tous les éléments, les insectes aussi, parce que Breton écrit beaucoup, mais il adorait collectionner apparemment et capturer les mantes religieuses, divers insectes, et réaliser des combats, dit-on, sur une table. Il récupérait aussi les grenouilles. Il était fasciné par cette question de la vie et de la mort, de ce cycle de la vie à ce moment-là. Fata Morgana, c'est un poème qui va être illustré par Wilfredo Lam, artiste donc qui est à Marseille aussi et qui va venir régulièrement à la Villa Herbel. Wilfredo Lam, d'origine cubaine, dont on conserve aussi des œuvres au musée Cantini. Et donc, l'illustration qui naîtra de ce poème, né à Herbel, c'est Jacqueline, évidemment, qui est ici représentée avec sa longue chevelure, les petits miroirs, comme on en parlait hier, dans les cheveux. Les miroirs dans la chevelure de Jacqueline Lamba, c'est une mode au fond internationale. C'est parce que en 38, il y a ce voyage de Breton et Jacqueline au Mexique. Ils vont rencontrer Frida Kahlo, Diego Rivera et Trotsky. Et c'est vrai que Jacqueline va être absolument bouleversée par cette figure absolument mythique qui est Frida Kahlo et qui va devenir le mythe qu'on connaît encore aujourd'hui, qu'on découvre là avec cette exposition au musée Galliera. Et c'est vrai que Frida Kahlo avait une mode vestimentaire absolument remarquable. Donc Jacqueline va s'inspirer de cette mode. Et encore aujourd'hui, je crois, quand j'en discutais avec Ob, elle a conservé, elle conserve des fois, elle aime bien mettre des petites fleurs, des petits miroirs dans les cheveux, en référence à Frida Kahlo, qui a été vraiment une inspiratrice pour tous ces artistes-là. Quelques images quand même, parce que voilà, Herbel, ce qui est assez étonnant, voire détonnant même dans ces images, c'est que c'est ces moments quand même un petit peu de légèreté, de fraternité, de collectif, où tous ces artistes se réunissent, mais le temps leur est compté quand même. C'est vrai qu'il faut partir, c'est ça surtout. Mais il y a quand même toujours chez eux, et c'est ça la force de l'art au fond, c'est toujours d'avoir cette joie quand même qui sera, c'est ça, résister aussi face au nazisme et face à Vichy, c'est conserver quand même toujours cette allégresse. Et ces images-là, ces photographies qu'on doit à André Gomez, Henriette Gomez également, qui sont aujourd'hui conservées en grande partie à la bibliothèque Kandinsky, au Musée national d'art moderne, sont des témoignages absolument saisissants. C'est presque même dommage que le Musée national d'art moderne ne présente pas plus, au fond, ne mette plus en exergue cela, parce que sans cette allégresse, sans cette joie, ben peut-être que l'art moderne aurait été différemment ensuite. Et ça révèle au fond une vraie force de vie qui est absolument, moi, qui me bouleverse à chaque fois que je vois ces photographies. Donc la fameuse nettoyage du bassin aux grenouilles, où là, voilà, une photographie, une des rares photos, parce qu'il il reste assez discret finalement, très humble, très modeste, notre cher Varian Fry, mais il est là, cigarette au bec, américaine au fond, et toujours quand même bien habillé avec sa cravate, son papillon ici. La pêche aux grenouilles, le nettoyage du bassin. Alors le bassin aujourd'hui est malheureusement évidemment vidé. Toujours voilà cette photo où là on voit tous les artistes qui se réunissaient, parce qu'Herbel au fond, donc, comme je dis, ils sont tous un peu dispersés dans la ville, dans Marseille, se logeant tant bien que mal. Et les dimanches surtout, c'est surtout les dimanches au fond, que les artistes prenaient le tramway. Et c'est vrai que Marie-Jeanne Gold, dans son ouvrage, raconte comment d'un coup cette horde d'individus arrivait à Herbel pour évidemment passer le temps, oublier le présent et s'adonner ensuite à des dessins collectifs. Alors voilà, je vais entrer dans le vif du sujet aussi plutôt artistique avec ces dessins qu'on conserve au musée Cantini. On en conserve, il y a alors deux séries vraiment de jeux assez fameuses à Marseille. Il y a tout d'abord les dessins collectifs, qui sont ces dessins, ces cadavres exquis, et ensuite en 41, donc les dessins collectifs datent plutôt de 1940, parce qu'ils s'établissent en octobre 40, hein, à la Villa.
Et ensuite, avant le départ des Bretons, vers février 1941, va naître le Jeu de Marseille. Donc ils sont conservés au musée. C'est tout un ensemble de pages, c'est des feuilles à quatre, hein, et c'est réalisé avec vraiment très très peu de moyens, quelques crayons, quelques stylos. On a essayé, à plusieurs reprises, essayé de voir s'il y avait quand même une règle du jeu à ces dessins. Alors, évidemment, il faut voir cela de manière très sérieuse. C'est-à-dire que le jeu pour les surréalistes, c'est André Masson qui le dit, c'est une affaire sérieuse. Quand ils se mettaient à jouer, Marie-Jeanne Gold le dit d'ailleurs, dans son texte, même Daniel Bénédit, il n'y avait presque pas un cérémonial, mais en tout cas, il fallait vraiment s'adonner à une activité qui nécessitait une grande attention, tout de même. Et malgré le peu de moyens qu'ils avaient, ils rentraient aussi dans une forme quand même élective de sujets qui vont rendre compte ensuite de tout leur univers, avec des formes d'hybridation complètement parfois extravagantes, références diverses, variées. Donc c'est vrai que c'est assez foisonnant, tout cet ensemble. On a du mal à essayer de... Parce que nous, en tant qu'historien d'art, après conservatoire, on veut toujours trouver une cohérence en fait, à tout ça. Alors, certaines planches sont annotées avec personnages, coquillages, il y a des fois des thèmes qui sont dessinés par chacun des protagonistes, sachant que s'il y avait peut-être une règle à respecter, c'était de conserver en fait une forme d'anonymat. C'était ça l'idée, c'était que chacun devait un peu abstraire son style pour que le dessin qui est généré devienne un dessin comme s'il avait été réalisé par une seule personne alors qu'il a été collectivement pensé et dessiné. C'est ça aussi peut-être le but. Alors évidemment, l'anonymat a été... un petit peu trahi par André Breton, qui a quand même, toujours un souci quand même de conservateur, au fond, noté parfois l'intervention de certains protagonistes. Donc on sait que Brunner, Dominguez, sa femme Jacqueline Lamba, Théodora Bénédite aussi parfois participe à ces jeux. Wilfredo Lam, évidemment, vont, Oscar Dominguez, vont dessiner toutes ces planches. Mais c'est des dessins extrêmement fragiles, vraiment en très peu de moyens, des dessins, des carrés de couleurs, et c'est pas évident finalement de les exposer en permanence. Là sur cette planche, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a par exemple un piano. Donc là on reconnaît la patte au fond d'Oscar Dominguez, qui était fasciné par Oscar Dominguez, qui était fasciné par ces pianos. Il va réaliser comme ça, avec Marcel Jean ensuite, un objet surréaliste, un piano-bar qui renfermait tout un ensemble d'objets qui sera édité plus tard notamment. Donc tout le mobilier aussi d'Herbé les inspire. Ils se réunissaient souvent dans la bibliothèque, puisaient aussi pas mal de magazines. Breton avait aussi, il emportait toujours sa collection de magazines, et il confiait aussi cela à ses amis, et il leur demandait, il découpait parfois, il s'adonnait aussi à des collages. Donc là, vous voyez la planche qui est dévolue au coquillage, on est à Marseille, peut-être qu'ils ont été inspirés aussi par ça. Apparemment, certains, alors je ne les ai pas retrouvés, mais il y a eu des dessins qui ont été faits aussi des fois sur des cailloux, sur des coquillages même. Là, une autre planche qu'on montre assez régulièrement, parce qu'il y a ce rôti. Alors ça, Hobbes m'expliquait qu'au fond, vu le rationnement, vu qu'à la fin, on ne pouvait pas vraiment se nourrir convenablement, ils se sont mis à dessiner ce roast beef pour peut-être oublier un petit peu la cécité. Il y a des références aussi à l'art précolombien, ici par exemple, je pense, ou à l'art même inuit, avec ce masque assez fameux. Et on sait aussi tout l'intérêt qu'auront ces artistes lorsqu'ils vont aller aux États-Unis pour s'intéresser aux Hopis d'Arizona, à l'art précolombien. Et évidemment, des références ici avec ce soldat, enfin, c'est presque un cochon en fait, nazi, avec on ne la voit pas, mais il y a une svastika qui est dessinée sur le képi. La fée l'usine aussi, qui apparaît ici. Voilà, donc c'est compliqué de voir vraiment un sens à tout ça, sachant que l'idée, au fond, c'était d'être le moins cartésien possible, c'était d'abolir la raison. C'était ça aussi l'idée de ces jeux, contrecarrer toute forme d'intervention raisonnable. Et donc, on dessinait, et la joie présidait, le hasard aussi présidait à cette aventure-là. Le hasard a une importance cruciale pour nos artistes. Là, ce sont des collages. Je me suis intrigué lorsqu'on étudie ces dessins, parce que certaines planches ont des espaces qui ont été découpés, des petites vignettes qui ont été découpées. Je me suis même demandé si finalement ces dessins n'avaient pas vocation à animer d'autres jeux, peut-être des jeux pour enfants, peut-être pour faire passer le temps à Pierre, Bénédicte, à Hobbes. Bon, Hobbes ne m'a pas confirmé cela.
Mais c'était peut-être aussi des esquisses préalables à d'autres jeux de cartes, on verra ensuite. Avec toujours évidemment des références à l'actualité assez prégnantes dans les collages que vous voyez ici. D'autres planches, donc là on peut parler aussi de références peut-être dadaïstes, c'est vrai que dans cette idée du collage, de différentes photographies qui sont ainsi montrées, il y a ce précepte qui était déjà né bien avant les surréalistes, qui vont beaucoup inspirer au fond, cette planche va inspirer aussi certains artistes américains, on le verra ensuite, planche assez colorée, où là on voit l'intervention notamment de Jacqueline Lamba qui apparaît je crois, ici, sûrement dans cette planche. Donc certes il y a l'anonymat, mais des fois on pourra retenir en tout cas le style de certains artistes. Et le Kadavaïski, alors évidemment, souvent on me demande, mais est-ce que ces planches, ces grilles ont à voir avec le Kadavaïski? Donc c'est assez différent au fond, c'est peut-être plus proche d'une évolution du jeu de loi, parce que les surréalistes vont créer un jeu de loi surréaliste aussi dans fin des années 20, donc il y a peut-être ça aussi dans l'imaginaire, cela qui les préoccupe. Mais le jeu surréaliste par excellence, c'est évidemment le Kadavaïski, qui est d'abord un jeu littéraire, et le jeu a donné naissance à cette fameuse phrase, le Kadavaïski, cette première phrase, le Kadavaïski boira le vin nouveau, et les artistes, notamment Herbel, mais avant, il l'avait déjà fait bien avant, ils le continueront aussi, certains artistes qui n'ont pas pu se rendre dans la zone libre à Paris, autour de la revue La Main à la Plume, ont beaucoup développé aussi tous ces ensembles de dessins, de croquis, de Kadavaïski. Donc là, ce sont nos plus fameux. Pour la petite histoire, celui-ci, on l'appelle notre Chirac, avec son nez donc prononcé. Donc évidemment, il n'était pas des leurs. Hein. Il viendra à Chirac visiter la vieille charité, le musée africain océanien, amérindien pour le coup. Ce sont nos deux Kadavaïski, au fond, on en conserve deux dans les collections du musée Cantini, et on le sait parce qu'on ne le voit pas du tout là, à la reproduction, mais si vous allez au musée, donc vous pourrez le voir, il y a des petits traits donc, qui signalent la répartition en fait, des différents intervenants, et les pliures sont encore présentes, donc on conserve encore les pliures de Kadavaïski des années 40. Alors là, c'est des inédits parce qu'au fond, en 2022, on a l'impression d'avoir tout vu, tout dit sur Herbel, sur ce qui s'est produit. Et on a pu acheter très récemment, vendu par la galerie 1900-2000, par David et Marcel Fley, ce dessin collectif, un des rares qui est encore sur le marché, parce qu'ils sont conservés en grande partie au musée Cantini. Il y en a aussi au musée national d'art moderne. Récemment, le musée d'art moderne de Paris, on a acheté après l'exposition Brunner. Il y en a en collection parfois particulière. Et il y a ce dessin qu'on a acheté récemment, c'est l'une de nos dernières acquisitions, qui est assez différent des autres au fond. Il est dans une composition presque beaucoup plus composée, si je puis dire. Il y a beaucoup plus de retenue, sûrement inspirée donc, de la flore aussi du parc. Théodora, donc Théo Bénédite aussi, participe à ce dessin. Je suis tombé aussi, il y a eu une vente assez récemment, peut-être qu'on pourra les acheter, qui sait, à ces petites cartes donc, qui ont été réalisées là au Café du Brûleur de Loup, qui sont peut-être alors des esquisses préparatoires ensuite à ce qui deviendra le jeu de Marseille. Ça permet de voir aussi le format est assez différent. Donc là, on est sur des cartes beaucoup plus petites que les dessins qu'on conserve, ensuite enfermés dans des enveloppes. Il y a encore des choses qu'on peut découvrir, et peut-être le musée Cantini, c'est ça notre objectif en tant que conservateur, d'essayer d'agrémenter notre collection, d'acheter des œuvres liées à cette période. Ça fait partie de notre projet scientifique. Donc, je vous parlais du Brûleur de Loup. Voici ce fameux café ici, donc le Brûleur de Loup. Alors le loup, évidemment, pour les Marseillais, vous savez que c'est le poisson au fond, donc, c'est plutôt le Brûleur de Loup, le poisson grillé, le bar en fait, comme on dit. Et donc on s'y réunissait, les surréalistes, Jacques Ayrol parle de ces séances où ils buvaient du vin blanc, où ils réfléchissaient au monde alentour et à quel jeu ils pouvaient encore inventer. Jacques Ayrol décrit ces moments-là où Breton d'un coup arrêtait la discussion, il disait « alors on joue » et tout s'arrêtait et sérieusement les artistes s'adonnaient à ces activités-là. Quelques images encore pour animer avec donc Hélène, la femme de Wilfredo Lam, Henriette Gomez. Alors, il y a ce moment aussi dramatique qui apparaît, qui intervient en plein milieu de cette allégresse
au fond, c'est l'avenue de Pétain, 3 à 4 décembre 40. Les images qu'on voit, on en a vu hier encore lors du colloque, la réunion de tous les Marseillais, les petits Marseillaises et Marseillais, qui, toutes les écoles sont mobilisées pour accueillir le maréchal. Ça fait froid dans le dos quand même de voir ces images encore aujourd'hui. Et ça va avoir évidemment une incidence chez nos artistes. Il va y avoir à Herbel donc une fameuse descente. Et Breton, qui avait dessiné en fait lors d'une de ses séances de jeu un petit croquis qu'il avait affiché, je crois, dans la cuisine. Et il avait dessiné un petit coq et il avait écrit « Ce crétin de Pétain ». Alors évidemment, quand la police arrive, découvre ce dessin et ça ne fait qu'exciter encore leur haine. Et Breton essaye quand même de se défendre en disant « Non, mais j'ai voulu écrire ce crétin de putain. » Et alors le policier l'interroge « Mais le coq, alors ?» Bon. Et alors évidemment, en plus, je crois que l'on découvre le pistolet de Breton, parce que Breton avait un pistolet en tant que policier, médecin militaire. Et donc, bon, Breton, Varian Fry, Bénédicte aussi sont arrêtés et vont être enfermés dans un bateau, le paquebot, le Sinaïa, ça dure quelques jours, pour la venue, donc tous les dissidents au fond qui étaient ciblés par le régime de Vichy sont arrêtés dans ce bateau. On raconte aussi qu'à ce moment-là, le jeu de Marseille peut-être aurait pu mûrir dans ce moment un petit peu de douleur. Petit mot, donc on parle d'internement, là on parle d'arrestation. Des artistes encore ne sont pas tous arrivés à Herbel. Il y a Max Ernst, il y a Belmer. Bon, je ne vais pas m'apesantir parce qu'on en a parlé beaucoup avec Alain Père hier sur cette période très, très dure au pont. Camp des Milles, donc cette ancienne tuilerie réquisitionnée donc par l'État français pour enfermer les apatrides, notamment les Allemands. Aucune distinction, hein, s'ils étaient anti-nazis ou pas, ils sont enfermés et ils sont très maltraités. Max Ernst, quand il arrive à la Villa Herbel, apparemment, Peggy m'est effrayé de le voir si mal en point, si mal nourri. Et bon, c'est un moment très douloureux pour Max Ernst, notamment, qui crée très peu, lui, qui était très. Qui n'arrêtait jamais hein, dans sa production. Belmer, lui, va produire plus et on conserve au musée Cantini. Ce magnifique portrait de Jouet Bousquet, poète, collectionneur, qui va avoir un vrai rôle, en tout cas pour cet artiste-là, une vraie résonance. On ne le dit pas assez, donc c'est Nicolas Santo qui avait fait cette acquisition merveilleuse pour le musée Cantini, avec un essai, au fond, de décalcomanie. C'est très Max Ernst, au fond, cette décalcomanie. Et surgit ce portrait, tel un fantôme. Belmer, alors ça c'est des œuvres plus récentes des années 30 de Belmer, mais déjà Belmer avait peut-être perçu qu'il allait venir à Marseille. C'est un tableau que j'aimerais un jour acheter pour le musée Cantini, donc si vous entendez parler de cette vente un jour, n'hésitez pas à m'en faire part. J'avais découvert ce tableau à la galerie Ubu Galerie, enfin, qui était à la FIAC, une galerie de New York, qui vendait ce très beau tableau. C'est un tableau qui date de 1932. C'est le macro qui tient son pistolet comme ça. Et vous voyez au fond le pont transbordeur et les paquebots. Donc il y avait peut-être déjà en présage au fond la noirceur que va devenir le Marseille qu'ils vont vivre. Et je vous ai mis aussi cette planche de Belmer également, l'incendie qui date là de 1939. Donc au moment où tout va basculer, au fond, il y a déjà au fond ce présage pour rappeler au fond que les artistes, au-delà de leur allégresse, ils sont aussi des visionnaires. Et c'est important ce tableau parce que beaucoup d'artistes qui logent à Marseille, qui logent en plein centre-ville, et même Varian Fry au fond, Varian Fry se bat continuellement contre l'administration, l'absurdité de Vichy, mais il doit se battre aussi contre Marseille au fond, qui est un personnage de son livre, qui est un personnage au fond pour eux, parce que il y a tous ces malfrats qui essayent aussi de les rouler dans la farine. Et il a du mal à faire confiance, Varian Fry, lorsqu'il s'agit par exemple d'affréter un bateau,
à tous ces, par exemple, au Malfrat Corse, par exemple, il en parle assez, il fait ses portraits assez savoureux dans son livre. Et c'est vrai que c'est une bataille pour lui continue. Hérold aussi, Jacques Hérold, va souffrir un peu de ça, parce qu'il loge dans un bâtiment complètement insalubre. Il raconte avec ironie que le type, son voisin, était un soi-disant philatéliste, que l'autre voisin était aussi un philatéliste, et qu'un jour, un des deux est mort, on ne sait trop comment, sur le palier. Enfin, c'est un moment quand même assez... Il y a la noirceur politique, historique, mais il y a aussi le contexte local qui pèse aussi pour organiser la fuite. Autre dessin de belle-mère ici, ce magnifique portrait de Max Ernst, avec la référence à la Tuilerie, portrait en tuile de Max Ernst. Voilà, donc après les artistes, donc, en tout cas, Breton, Fry également vont être libérés après la venue de Pétain. Et un hiver assez important, en tout cas intense, s'abat sur Marseille. La neige, il neige à ce moment-là, c'est assez rare pour le signaler. Et des photos les montrent, ramassant le bois avec cette neige. Voilà, c'était presque une sorte de présage aussi, il y a quelque chose d'assez surréaliste de voir la neige à Marseille, avec cette photo assez... assez merveilleuse de Jacqueline Lamba, donc qui était danseuse aquatique au Coliséeum dans sa première vie, si je puis dire. Jacqueline Lamba, donc scandaleusement belle, comme on pouvait la qualifier, elle attirait un petit peu tous les regards. Et Marie Gengol aussi dresse de très beaux portraits d'elle à ce moment-là. Et là, vous avez donc Victor Bronner, donc qu'on reconnaît régulièrement sur ses photos. Parce qu'il a cet œil, il est eunuclé. Il a perdu un œil lors d'une soirée fameuse, très alcoolisée, entre Bronner et Dominguez. Il va y avoir une dispute, et apparemment, donc, Dominguez aurait jeté un verre, je ne sais quoi, et ça aurait atteint Bronner, qui aurait perdu son œil à cette occasion. Donc Bronner et Dominguez vont se retrouver aussi régulièrement, notamment Herbel. Hein, donc, je ne sais pas si après il y a eu des disputes, je ne sais quoi. En tout cas, on le reconnaît ainsi. Toujours Jacqueline à la fête d'Herbel. Donc cette photo aussi, c'était émouvant parce qu'ils se sont rencontrés là lors du colloque. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu Pierre. Donc Peterkin, c'était le surnom américain de Bénédicte, Pierre Bénédicte et Hop Breton, qui avait apparemment Pierre 2 à 3 ans et Hop 5 ans. Donc on arrive donc avant le départ donc de cet artiste à ce fameux jeu de Marseille qui est aujourd'hui au fond notre fleuron, qui a quand même une certaine notoriété internationale, si je puis dire, parce qu'on le prête énormément, on est beaucoup sollicité par des demandes de prêt de ce jeu de Marseille. Et les plus fameuses, c'est avant le Covid, le MoMA, la Tate, nous les ont demandé en prêt parce qu'ils organisaient une exposition assez conjointe à la nôtre sur le surréalisme américain, sur toute cette histoire dont on est en train de parler, sur l'internationalisation du surréalisme. Le projet n'a pas pu avoir lieu, donc on n'a pas prêté les œuvres pour ces projets. Mais là, certaines des cartes sont présentées en ce moment dans une exposition qui se termine à Venise, au Peggy Guggenheim de Venise. Et c'est pour montrer au combien, quand même, elles ont une importance et une résonance aujourd'hui dans l'histoire de l'art contemporain. Alors, je vais rappeler quand même un petit peu la règle du jeu de Marseille, parce que souvent, on a tendance, moi le premier d'ailleurs, quand je suis arrivé dans les musées de Marseille, à parler du tarot de Marseille. Alors, c'est faux, hein, évidemment, ce n'est pas un jeu de tarot, au fond. Certes, à ce moment-là, Breton se rend à la bibliothèque Carly, donc la bibliothèque locale, qui est devenue aujourd'hui qui est maintenant le conservatoire. Il s'intéresse aux jeux de cartes, il s'intéresse aux cartes divinatoires, aux tarots. Il y avait à Marseille des fabriques de tarots assez fameuses, la fabrique Camoin. Mais ce qui l'intéresse, c'est de créer un jeu de cartes, un jeu 32 cartes. Et l'idée, c'est donc de transformer un petit peu les figures et les couleurs du jeu classique. Donc, vous avez donc tout un ensemble de tirages au sort aussi qui va se mettre en place pour transformer les figures en référence à tout l'univers surréaliste. Donc, les couleurs sont transformées. Vous avez le trèfle qui va devenir, au fond, l'étoile de rêve. Vous avez le carreau qui va devenir la roue de la révolution. Vous avez le pic qui va devenir la serrure de la connaissance.
Et vous avez également la flamme, donc de la flamme d'amour qui apparaît. Et ensuite, donc, les figures sont transformées. Le roi va devenir mage, également la dame qui devient sirène, et le valet qui va devenir génie. Donc, tout ça ensuite est rabattu. Et vous avez aussi le Joker, il apparaît ici. Joker qui est bien sûr une référence à Ubu. Il y a le hasard, mais il y a aussi l'absurde qui préside peut-être tout cela. Et chacun des protagonistes, donc autour de la table, des participants, va tirer au sort un personnage. Là, on joue un petit peu au jeu du chapeau. Hein. À ce moment-là, on jouait beaucoup. Hein. On jouait au jeu du meurtre aussi, apparemment. Ils éteignaient toutes les lumières et d'un coup, ils devaient savoir qui avait tué qui dans la salle. Et ils jouaient au jeu du chapeau. Donc, ils vont tirer au sort chacun un personnage. Et chacun donc, va dessiner, au fond, une des figures qui va devenir très célèbre. Robert de Lancade, ensuite, va un petit peu rendre anonyme ce dessin. Il a lui-même projeté tout un ensemble d'esquisses pour le dos des cartes. Ce sera édité plus tard, hein, bien plus tard. C'est ce que je vous montre ici. C'est l'édition qui sera faite par André Dimanche, du coup célèbre éditeur marseillais, que j'ai choisi de montrer dans le parcours permanent du musée Cantini pour qu'on puisse les présenter tout le temps, ces cartes. Parce que vous avez vu qu'elles sont très fragiles, les esquisses, les travaux, les œuvres originales sont trop fragiles pour les montrer en permanence. Donc maintenant, on va montrer en tout cas au moins l'édition en permanence. Donc voilà là, les projets du dos par Frédéric de Lenglade, qui va également donc, uniformiser l'ensemble, qui va être publié aussi ensuite aux États-Unis dans la revue VVV, j'y reviendrai. Et le jeu de Marseille aussi sera présenté, comme on le sait d'après Bénédicte, au MoMA. Et l'exposition du jeu de Marseille au MoMA aura apparemment un certain retentissement. Donc là, vous avez donc les cartes réalisées par André Breton, Paracels, donc, qui est un célèbre alchimiste qui devient mage de la connaissance, l'as de la connaissance avec cette serrure. Et je vous ai mis cette petite vignette parce que Breton, comme je disais, il s'intéressait beaucoup aux revues aussi, aux collages. Et donc, dans la bibliothèque, il y avait le magasin pittoresque. Et donc, il se serait inspiré aussi d'un poulpe, comme ça, une sorte de pieuvre, pour réaliser Paracels avec l'idée de l'encre, évidemment. L'encre, la matière première des poètes. Jacqueline Lamba, donc, signe la carte Baudelaire. Pour la petite histoire, cette carte a servi là récemment à Christian Dior pour une des robes qui est une série qui a été faite en hommage aux femmes surréalistes. Et donc, cette carte a servi d'illustration. Et vous avez donc l'as de la Révolution, peut-être la carte la plus action painting, la plus américaine déjà, réalisée ici par Jacqueline Lamba, surnommée, comme disait Alba, 14 juillet. Donc, c'est vrai qu'elle était quand même assez révolutionnaire dans l'âme, notre chère Jacqueline. Et là, des références, je trouve aussi, à l'art indien, peut-être, à l'art amérindien, qui va la fasciner toute sa vie. Elle va faire le voyage comme Breton le fera également en Arizona, comme Ernst aussi. Et elle va être passionnée aussi par toutes ces cultures. Donc elle a peut-être aussi ici, elle se réfère ici à cela. Donc là, vous avez Bronner qui signe Hegel et Helen Smith. Helen Smith donc, qui était médium. Il y a pas mal d'œuvres d'Helen Smith qui sont conservées aujourd'hui au LAM de Villeneuve d'Ascq. Max Ernst, qui est arrivé à temps pour jouer, et qui a tiré la carte Pancho Villa, donc le célèbre révolutionnaire mexicain, important évidemment pour notre cher Breton, qui prend donc les traits de son avatar à Max Ernst, ce fameux Lop-Lop, qui va l'accompagner toute sa vie. Oscar Dominguez, dont on avait fait une très belle exposition au musée Cantini, qui montre ici donc l'as de rêve. Freud, évidemment, gardien des rêves, de la connaissance. Jacques Hérold, avec la miède. Sade, alors il était assez fasciné par Sade, Jacques Hérold. Jacques Hérold, comme Bronner, ne va pas pouvoir partir de Marseille. Il se réfugiera ensuite dans l'Aude et vers le château Lacoste, aussi en référence à Sade, il a ça en tête. Là, vous avez les cartes de Wilfredo Lam. La carte Alice, d'ailleurs, je parle de mes collègues à Strasbourg, va être prêtée, là, un projet qu'organisent les musées de Strasbourg autour de la figure d'Alice. Et l'exposition sera bien nommée Surréalis, d'ailleurs. Et donc, on prête cette carte pour nos collègues. Et là, vous avez Masson qui, avec cette religieuse portugaise assez caractéristique, Novalis également. Masson,
Donc un petit mot quand même sur cet artiste qui va être crucial ensuite et primordial pour le surréalisme américain, dit-on, produit beaucoup de dessins à ce moment-là. Il est logé donc non loin du château Pastret, dans le quartier de Montredon. Il y a ce très beau dessin qu'on a vu hier déjà avec au centre du coup Jacqueline Lamba qui apparaît avec sa chevelure caractéristique et ses têtes bicéphales. Et c'est vrai que ce motif un petit peu de ce qu'on a pu peut-être on a tendance à parler d'un Hermès bicéphale, c'est peut-être aussi, et Bronner en tout cas peut-être en parle, inspiré de l'Hermès aussi de Rocpertus qui était conservé, qui est l'un de nos fleurons, qui est conservé ici d'ailleurs hein, au musée d'histoire, mais il a été conservé un temps à Borély, qui était le musée d'archéologie à l'époque. Donc peut-être que les artistes ont pu avoir connaissance de cela, de cette en tout cas fleuron des collections marseillaises. Il représente aussi beaucoup Breton, donc avec cet air léonin dont parle Marie-Jane Gold dans ses textes, l'homme rêvant ou l'homme éveillé, et beaucoup de portraits de Jacqueline aussi à ce moment-là dans sa production. C'est beaucoup de dessins. Pour la petite histoire, quand Masson arrive aux États-Unis, un douanier ouvre la malle qu'il a pu accompagner et il tombe sur certains de ses dessins et le douanier parle d'obscénité. Donc, finalement, c'était pas même aux États-Unis. Montredon, dans quelques images un petit peu là récupérées grâce à Naeger, où on voit Jacqueline, André, Rose Masson, Diego Masson également. Et au château Pastret, donc c'est animé tout ça par Lily Pastret, qui va créer une association de protection de la liberté, très beau mot encore, et elle accueille au fond et elle regroupe autour d'elle tout un ensemble d'artistes, notamment Rudolf Kundera, dont je vous montrerai un dessin ensuite, et surtout ce personnage Christian Bérard, qui a eu d'ailleurs les honneurs récemment à Évian et à Monaco, une très belle exposition, une monographie lui était dédiée, et Christian Bérard va signer les costumes en fait du Songe d'une nuit d'été qui sera joué après le départ des surréalistes, hein, parce que là on est le 27 juillet 42, et c'est pour montrer au fond qu'il y a Herbel, mais aussi il y a ce lieu de résistance, et la comtesse Pastret a énormément œuvré pour soutenir tous ces artistes. Edmond Charleroux en parle d'ailleurs très bien dans certains de ses textes. Rudolf Kundera, donc tous ces dessins, on les conserve, hein, de Kundera, artiste tchèque, qui documente par ses esquisses et ses dessins ce moment-là, sont conservés aussi au musée Cantini. Donc, voilà, pour rappeler encore une fois que nous sommes très liés à cette histoire. Donc avant le départ aussi, il va y avoir cette fameuse vente aux enchères, là, qui est animée par Sylvain Hidkin, poète également, et qui ici joue le rôle de commissaire-priseur. Et il va y avoir aussi, alors c'est après le départ en fait des Bretons, Max Ernst va occuper la villa Herbel, et donc une exposition va être organisée, les tableaux, certains sont accrochés aux arbres, avec ce tableau assez fameux, hein, la toilette de la mariée, qui est un chef-d'œuvre aujourd'hui des collections de Guggenheim, parce que Peggy Guggenheim lui aurait demandé en tout cas de l'acheter à cette occasion. On reconnaît ici, il me semble, mais il faut que je pousse les recherches, une œuvre de Leonora Carrington également, qui était compagne plus de Max Ernst à ce moment-là. Voilà, donc une exposition donc là qui est accrochée par Jacques Hérold et Daniel Bénédit. Il faudrait peut-être un jour qu'on imagine à Marseille peut-être une exposition dans les arbres comme ça. Alors peut-être pas avec nos œuvres du musée Cantini, s'il vous plaît, mais en tout cas inviter des artistes contemporains aujourd'hui, peut-être à Herbel, à faire une exposition de ce genre. C'est un moyen d'accrochage et de démonstration assez remarquable. Voilà, donc c'est vient le temps du départ quand même. Les visas vont être pouvoir délivrés grâce à notre cher Varian Fry. 25 mars 40, donc c'est le départ du capitaine Paul capitaine Paul Lemerle. Par hasard, donc, vont se retrouver sur le même bateau la famille donc Breton, André, Jacqueline, Hobbes et Claude Lévi-Strauss et Anna Seghers. Donc le hasard toujours va quand même réunir comme ça la puissance de cet individu sur le même bateau, un trajet donc très long, hein, 40 jours à peu près. Plus tard partira donc quelques jours plus tard sur un autre navire, André Masson. Ils vont se retrouver donc Masson et les Bretons en Martinique. C'est pas fini pour Breton, il va être arrêté à ce moment-là et il va être libéré sous caution parce que l'État français est évidemment présent en Martinique. Et Masson et Breton vont entamer
des discussions avant leur brouille qui va apparaître aux États-Unis en 1943 sur le dialogue créole. Va naître de cette période une intense discussion autour aussi de la figure d'Aimé Césaire qu'il rencontre aussi à cette occasion. Et va naître donc ce fameux dialogue créole, Martinique aussi, charmeuse de serpents. Et on conserve au musée Cantigny, donc c'est un peu notre chef-d'œuvre acheté par Germain Viat, ce tableau antillais qui a été réalisé mélange de sable et de peinture à l'huile, qui laisse entreapercevoir donc au fond de la composition une martiniquaise, une femme noire. Le tableau a été présenté d'ailleurs au modèle noir d'Orsay, récente exposition du musée, remarquable exposition. Et ça va devenir au fond un petit peu nous notre étendard de cette époque, parce qu'elle fait vraiment le lien entre ce qui s'est passé à Herbel et ensuite ce qui va se passer aux États-Unis. Non pas qu'il faille dire, parce que ça c'est un petit peu résumé, que les artistes français, européens arrivent aux États-Unis et vont créer une nouvelle forme d'art. Ce n'est pas du tout ça le propos qui était celui d'Éric de Chassé lors de l'exposition, bien au contraire, parce qu'on va le voir ensuite qu'il existait une forme de surréalisme aussi états-unien déjà bien installé. Mais il faut voir évidemment que cet automatisme, notamment d'André Masson, va infuser, en tout cas va inspirer, mais ils n'aimaient pas ce terme, les artistes américains, en tout cas ils détestaient qu'on dise qu'il y avait une filiation si présente entre les travaux notamment d'André Masson et ceux de Jackson Pollock notamment. Alors, pour ceux qui restent aussi à Marseille, parce que tous vont pouvoir avoir de visa, notamment Jacques Hérold, notamment Bronner, ils vont participer activement donc, à cette fabrique des croque-fruits, rue des 13 Escaliers. Donc c'est ce pâtisserie enrobée donc de la pâte d'amande et enrobée comme ça d'amande pilée. Et donc Jacques Hérold va signer l'affiche, le fruit qui n'est pas défendu. Ça va permettre aussi à ces artistes de subsister, évidemment. On gagnait, je crois que c'était 30 francs la journée. C'était aussi un repli de pensée, ce croque-fruit, parce que se réunissaient aussi les trotskistes, il y avait aussi des staliniens, et je crois que ça se passait pas toujours très bien. Il y a eu des grèves aussi à des moments-là. Même pendant la guerre, finalement, il y avait la grève aussi encore en France en 1941. Jacques Hérold va aussi constituer comme ça des boîtes de peinture truquées pour cacher les faux papiers, par exemple. Il va réaliser, donc ça c'est beaucoup d'artistes aussi, on le voit moins, c'est conservé au Musée National d'Art Moderne, mais il va participer comme Jacqueline Lamba, comme Bronner, comme Dominguez, tout un recueil de dessins réalisés pour l'anniversaire d'Hélène Lam, de Wilfrido Lam, le 19 janvier 1941. Et là ce dessin est assez beau, vous reconnaîtrez donc le pont transbordeur, l'étendard de la ville à cette époque qui apparaît en contrebas du mot Marseille. Très beau dessin là du collection du musée Cantigny. On est en train là de faire des acquisitions autour de Jacques Hérold, qui est un artiste très important pour nous. On a eu cette exposition assez fameuse qu'on a organisée avec Delphine Hérold White. Et on va acheter donc prochainement une version du Grand Transparent. Le Grand Transparent, donc, n'est pas une œuvre. Celle-ci, en tout cas cette peinture qu'on conserve au musée, a été peinte à Marseille. C'est une guillotine, en fait, avec ici une tête coupée. On voit la lourdeur du propos dans cette œuvre, qui date de 40-41. Et on voit comment Hérold est en train de mûrir cette idée de la cristallisation qui lui est très chère. Et le grand transparent, il va être mûri, pensé par Hérold, mais il est en fait une illustration de ce que Breton est en train aussi lui-même de mûrir en 42. Il va avoir des conférences aussi. Il pense déjà à ça lorsqu'il est Herbel. Vous m'excuserez le terme, mais c'est breton. Du coup, les prolégomènes à un troisième manifeste au surréalisme ou non. En fait, breton, il y a trois phases dans le surréalisme assez cruciales. Vous avez 24 avec la naissance et de l'automatisme. Ensuite, il y a quand même une sorte de re-questionnement du surréalisme qui se repenche vers la réalité, parce qu'il y a les dissidents de la revue Document qui disent qu'il ne faut pas non plus oublier cette réalité qui doit faire partie du processus même créatif. Et ça, on le voit dans L'amour fou, cette idée de la trouvaille, récupérer des objets, les insérer dans des installations, dans des assemblages, ça va devenir crucial pour eux. Et en 40-41, Breton veut renouer avec l'idée du mythe. Et il va donc s'intéresser à cette idée des grands transparents. C'est important ensuite pour nos chers Américains, parce que Mata va être très inspiré aussi par ça, et Hérold, on
on le voit encore en France. Et c'est une idée d'essayer d'incarner en fait tout ce qui est invisible. L'invisibilité de la pensée, essayer de la capturer et essayer de la représenter ces substances et parfois ces fantômes. Et au fond, ce petit grand transparent est un peu l'incarnation des idées même de Breton. Vous voyez au cœur même de ce visage, c'est la version originale en plâtre du musée du Centre Pompidou. Vous voyez Christo, très cher à Breton aussi dans ses textes sur l'amour fou. Et vous avez ici une petite assiette d'ailleurs, parce qu'il faut nourrir hein, ce grand transparent. D'ailleurs, nous, on l'achète, l'œuvre, avec la nourriture, parce qu'il va falloir quand même le nourrir assez longtemps, notre cher ami. Et il va cohabiter donc avec un... je reviendrai un peu sur cette image quand même, avec une autre sculpture fameuse du musée Cantini, qui est cette sculpture nombre, ce que Hérold et Bronner ne puissent pas fuir aux États-Unis. Ils restent, ils se réfugient. Bronner, notamment, se réfugie dans loin de Gap, loin des Alpes, à Célie-le-Rousset, chez Michel Herr, son ami sculpteur. Il va s'adonner à tout un ensemble de sculptures en plâtre, dont ce chef-d'œuvre du musée Cantini, qui date de 1943, tout de même. Donc c'est une œuvre quand même qui va être pensée, mûrie, produite dans une pure clandestinité. Je reviens quand même un petit peu à cette série, parce que dans nos nouvelles acquisitions sur Herbel, on va acheter donc cet ensemble de cadavres exquis réalisés à deux mains. C'est souvent le cadavre exquis, c'est à plusieurs, plus que deux. Là, ils sont que deux, donc c'est assez original parce que c'est une feuille là qui va être pliée non plus à la verticale, mais à la horizontale pour donner naissance toujours à des êtres comme ça, deux visages, une sorte de dualité du visage assez saisissante. Jacques Hérold donc et Bronner. Bronner va avoir des soucis de santé, il va être hospitalisé à ce moment-là à la conception, je crois. Comme un illustre poète avant lui, c'était autre qu'Arthur Rimbaud, et il va tomber sous le charme, dit-on, d'une infirmière, et elle va devenir un peu le fantôme de ses peintures à Marseille. Il y a ce tableau que j'avais présenté lors d'une exposition qu'on avait dédiée au rêve, Conciliation extrême, un tableau merveilleux. Pareil, si des fois vous le voyez apparaître dans une maison de vente, n'hésitez pas, on pourrait aussi essayer d'en faire une acquisition, c'est un tableau fabuleux. C'est écrit Marseille, Herbel 41, quand même. Donc c'est un tableau quand même qui est très important pour notre propos, avec ce monstre comme ça qui apparaît derrière la tête du personnage. Pardon. Oui, bien sûr. Ça marche. Autre œuvre de Bronner, donc Lyon, Lumière, Liberté, donc il date de 1941. Je vous ai mis quand même l'Hermès bicéphale parce qu'il est, il est important peut-être donc pour ces artistes. Un autre dessin qu'on conserve là dans notre collection, c'est un Marseille aussi, 41, donc Lyon, Lumière, Liberté, avec donc cette idée donc de l'Hermès qui apparaît en haut de la composition. D'autres œuvres de Bronner qu'on conserve, réalisées pendant la guerre. Ce tableau optimiste, c'est un des premiers tableaux réalisés à la cire. En plus de la sculpture, Bronner va s'adonner à toute cette série de tableaux à la cire qui va leur donner du relief. Et il va avoir aussi la délicatesse d'écrire « Attention, ce tableau doit être conservé continuellement dans l'obscurité. Veillez à ne pas trop l'éclairer. » Ça, c'est écrit, donc je vous demande de me croire, en bas de la composition. Donc il y a Nombre, mais il y a également la tête cygne aussi, qui est un de nos chefs-d'œuvre qu'on conserve, la version en plâtre, on a une version aussi dorée. Quand les artistes donc arrivent, notamment les Bretons aux États-Unis, ils sont par Yves Tanguy, par Kay Sage notamment, et à ce moment-là Breton va tenter de recréer une sorte de phalanstère un petit peu artistique. Ça va être avorté évidemment, et il va y avoir la rupture ensuite entre Breton et Jacqueline qui tombera amoureuse de David Herr. Mais il continue cette idée donc du mythe d'invitation aussi à des artistes pour participer au jeu de Marseille, et demande à Kay Sage, donc du coup la femme d'Yves Tanguy, de réaliser des cartes peut-être du jeu de Marseille. Donc c'est des œuvres qui sont en collection privée. Vous avez ici Cassandra du coup qui a été réalisée par Kessel. Je vais demander aussi à Gordon Onslowford, donc cet artiste anglais qui est également dans le Connecticut à ce moment-là, de réaliser des cartes, et il réalise cette carte Francis Bacon de manière assez originale hein. Donc Bacon qui a eu une production surréaliste d'ailleurs qu'il a entièrement détruit. Il reste que quelques rares témoignages, et donc il réalise cette carte de manière humoristique. Et là, Peter Ibbotson, donc aussi un projet pour le jeu de Marseille.
elles n'ont pas été retenues finalement dans la version finale qui va être éditée par dimanche. Exposition cruciale aussi aux États-Unis, quand ces artistes arrivent, il va y avoir tout un ensemble de galeristes, de conservateurs aussi, qui vont aussi les accueillir, subvenir à leurs besoins. Il y a cette exposition assez fameuse, Artists in Exile, de mars 1942, chez Pierre Matisse. Pierre Matisse aussi qui va faire la promotion d'un artiste surréaliste aussi important pour les Américains, qui est Joan Miró, peut-être plus important même que Masson, au fond. Hein. Il va vraiment avoir une résonance chez eux assez saisissante. Donc beaucoup là des artistes qu'on a vus sont maintenant aux États-Unis, sont installés. On voit Masson, on voit Lipsitch, on voit Léger, Ernst, Chagall, Mondrian, Mata, Tanguy, également Zadkine. Il en manque un. Je ne sais pas si vous arriverez à voir de qui je parle, mais qui est absolument crucial aussi pour nous, qui est Marcel Duchamp. Duchamp, lui, est encore à Marseille à ce moment-là. Petite histoire quand même sur notre ami Marcel Duchamp, qui m'a toujours fasciné. Marcel Duchamp, qui est toujours très malin pour quitter Paris, parce qu'il est, bien qu'il ait des liens quand même très forts avec New York, avec Philadelphie notamment, et les collectionneurs américains, les Arensberg. Il est quand même très inquiété à Paris et il va se voir délivrer un Ausweis, du coup, et une fausse identité et une fausse aussi activité de fromager. Et ça lui permettait comme ça de voyager entre la zone libre et la zone occupée. Et il va s'installer d'ailleurs, en tout cas, très peu de temps à Roquefort, en Aveyron. Et ça lui permettait comme ça de cacher vraiment son identité. Et à ce moment-là, Duchamp a une idée absolument géniale, mais qui va vraiment marquer les surréalistes, en tout cas les artistes aux États-Unis, c'est la réalisation d'une boîte. Ça, c'est le rêve de tout conservateur, au fond, de se transformer un jour en Marcel Duchamp et arriver à conserver dans une petite boîte l'ensemble des œuvres. En fait, il pressent très vite ce qui va advenir de l'Europe. Il sait que les œuvres sont quand même en partie conservées. Il travaille aussi de pair avec sa sœur Suzanne, qui est aussi dans le Midi, et avec tout un ensemble aussi d'aides qui vont réaliser sur des plaques de rhodoïdes, en fait, tout un ensemble de miniatures qui reproduit à l'identique toutes ces œuvres. Là, vous reconnaissez évidemment le fameux grand verre hein, de Duchamp qui est exposé après aux États-Unis, la mariée mise à nu par les célibataires mêmes. L'urinoir, évidemment, qui fera la célébrité de Duchamp bien avant tous ces artistes aux États-Unis, le fameux Fontaine, présenté anonymement. Et donc, il part de Marseille, il y a cette photo qui est assez saisissante hein, des Gomez, avec ici Duchamp, les bras levés, tel Leonardo DiCaprio dans Titanic, et en bas, malheureusement, Jacques Ayrault, les bonheurs qui, bon, inexorablement, ne pourront pas regagner le navire. Duchamp triomphant, partant donc de Marseille, va passer par Lisbonne ensuite, par Casablanca, et arrive évidemment donc aux États-Unis. Duchamp est très important ensuite parce qu'il va organiser tout un ensemble d'expositions. Duchamp est artiste, joueur d'échecs, mais aussi scénographe, il est aussi conservateur de ses propres œuvres, et il organise la scénographie, il est le curator aujourd'hui on dirait, il a curaté l'exposition First Paper of Surrealism. C'est une exposition absolument, on pourrait plus faire ça. Aujourd'hui pour des raisons de public, pour des raisons aussi. Il va comme ça utiliser 16 miles de fil qui va entourer, qui vont comme ça prendre part dans la galerie et cacher parfois les œuvres et il fallait se faufiler à l'intérieur. Et il y a la couverture du catalogue donc qui n'est autre qu'un succulent fromage. Peut-être qu'il a pu ramener... Alors je pense que c'était plus facile de ramener des œuvres, une boîte en valise aux États-Unis que du fromage français, je pense, à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui. Revue historique quand même américaine, franco-américaine, qui va être éditée par André Breton et David Herr, le célèbre sculpteur américain qui deviendra donc l'époux de Jacqueline Lamba ensuite, et avec ce VVV qui résonne encore aujourd'hui, même avec ce qui se passe, il y a ce terme donc, de voile, alors... Et ce qui se passe aujourd'hui, je regarde des images d'Iran, et il faut toujours quand même conserver ça, la victoire sur les forces de la régression, donc le V, premier V de la victoire, la vue, donc le deuxième V autour de nous, la vue en nous, le mythe dans le processus de formation, sous le voile de ce qui se passe. Cette revue va être éditée à New York, c'est dans cette revue que va être présenté pour la première fois le jeu de Marseille, notamment, et Duchamp confie donc la réalisation des couvertures à de nombreux artistes.
artistes amis qui sont à ce moment-là aux États-Unis, dont Max Ernst, dont Masson, ou encore Marcel Duchamp. Bon, je pense que le temps file, mais quand même, il faut cette histoire du surréalisme américain, il ne faut pas la résumer en se disant les Européens ont inventé l'art moderne à New York, ce n'est pas le cas. Il y avait déjà de toute manière un terreau aussi surréaliste à cette époque. Il y avait des expositions fameuses qui ont été organisées, notamment au Brooklyn Museum, à Hartford aussi, New Super Realism et Fantastic Art Dada Surrealism organisé au MoMA par Alfred Barr. Alfred Barr, dont on parle peu, mais qui a aussi eu un rôle aussi avec Varian Fry pour accueillir tous ces artistes ensuite. Le premier grand directeur d'art moderne aux États-Unis. Donc il y a déjà un terreau, il y a déjà des artistes surréalistes à New York notamment. On pense évidemment, le plus fameux d'entre eux, c'est Joseph Cornell, qui est un ami de Marcel Duchamp. Cornell va aider ensuite Duchamp à éditer ses fameuses boîtes en valise. Et Cornell est un fanatique de boîtes également. Il adorait les muséums d'histoire naturelle. Il était fasciné par l'ornithologie aussi. Il va constituer tout un univers en miniature. Là, il réalise une œuvre qu'on a montrée lors de l'exposition surréalisme américain en référence à Max Ernst, tout un ensemble de collages. Et il va réaliser aussi ce film expérimental, Rose Hobart, qui est en fait une sorte de revisitation d'un film, d'un polar, qu'il va coloriser. Et on a peut-être déjà sous-jacent ici, c'est la thèse d'Éric de Chassé, qui dit que finalement tous ces artistes aussi ont infusé l'art américain, pas que l'action painting, mais aussi parfois le pop art. C'est le cas évidemment de Joseph Cornell qui résonne encore dans les œuvres de Claes Oldenburg ou d'Andy Warhol. Certains artistes qu'on connaît peu, qui étaient brillamment montrés par Éric de Chassé, et c'est ça tout son talent, il avait fait cette magnifique exposition, on en parlait hier aussi, à Lyon, Repartir à zéro. Repartir à zéro, c'est quand même affirmer, et très justement, que l'art américain aussi va faire table rase. Beaucoup d'artistes vont faire table rase de l'avant-garde européenne aussi pour s'affirmer en tant qu'artistes, et ils vont créer aussi leur propre mythe. Mais avant les artistes qu'on connaît, Pollock, avant de Kooning, avant Motherwell, il y a des artistes un peu moins connus, je pense donc à Boris Margot, qui utilise ici la technique de la décalcomanie, la technique peut-être même sous-jacente du dripping, pour inventer comme ça un paysage absolument foisonnant. Vous avez également Jérôme Garomski, qui utilise la technique du collage à la manière de Max Ernst, Loser Fietelson, ou encore Hélène Lundberg, qui, elle, va drainer ce qu'on a pu appeler dans les années 30 le post-surréalisme aux États-Unis et notamment sur la côte ouest américaine. C'est important aussi de parler, on parle souvent de New York, mais on oublie souvent de parler même de San Francisco, de Los Angeles, parce que San Francisco va se voir établir, fin des années 40-50, aussi un groupe d'artistes activistes surréaliste autour de Dinaton, ce fameux groupe, et Hélène Lundberg, qui est très inspirée aussi de ce qu'on a appelé le précisionnisme, cette technique très méticuleuse en peinture, appartient aussi à ce groupe des pré-surréalistes américains dans les fins des années 30 jusqu'aux années 40, avec là une idée aussi assez cosmique du monde qu'elle peut délivrer. James Gibbs. Harold Liman aussi, ce tableau était présenté à la Charité, tableau absolument angoissant presque, très, très, très sombre, très psychanalytique. Il faut parler quand même de Dali. Dali est très important pour cette histoire-là. Il y a Masson, il y a Miro qui vont infuser un petit peu tous ces artistes, mais Dali, c'est peut-être lui qui va délibérément donner naissance à une sorte de stylistique surréaliste américaine, voire hollywoodienne. Il le dit d'ailleurs, après avoir signé les fameux décors de la maison de Dr. Edwards pour Hitchcock, il dira « Les seuls qui ont surpassé, ce sont les réalisateurs d'Hollywood. » Parce que finalement, il avait demandé des moyens absolument fabuleux pour ce film, après-guerre. Et dès 1939, en fait, Dali, qui vient aux États-Unis régulièrement dès 1934, en 1939, en fait, il va organiser une exposition. Alors, il va appartenir, en fait, il va réaliser ce fameux pavillon du Songe de Vénus, absolument délirant, en hommage à Botticelli, en hommage aussi, en tout cas, c'est l'illustration de ce qu'il écrit sur la beauté qui doit être comestible, en référence à la beauté convulsive de Breton, de manière absolument effrontée d'ailleurs. Dali va être jugé par André Breton dès la fin des années 30, parce qu'il délire Dali à ce moment-là aussi. Il délire parce qu'il rêve d'Hitler,
Et il fait comme ça le lien entre Hitler et le dos mou et vasqueux d'une nourrice. Alors évidemment, ça plaît un peu à Breton, qui organise un procès à son égard, et il sera évidemment évacué du surréalisme, d'où au fond ce petit exil intellectuel artistique de l'artiste aux États-Unis qui veut conquérir le monde américain. Il est soutenu par la galerie Julian Levy de New York, qui a un rôle primordial aussi pour tous ces artistes. Il organise des expositions fameuses, des performances aussi, des conférences complètement délirantes et daliniennes. Et il présente ce tableau, qui va être quand même aussi l'étendard aujourd'hui du MoMA, du Museum of Modern Art de New York, dès les années 30, la persistance de la mémoire. Alors pardonnez-moi, je parlerai encore de fromage, mais c'est ici en fait le rêve d'un camembert coulant, il le dit, il écrit, qui va inspirer ce tableau pour parler ensuite de la quatrième dimension. Voilà, on délire complètement, mais c'est Dali. C'est une personnalité qui va être très importante, qui va ensuite, bon, évidemment, être dans la mondanité, qui va verser là-dedans, qui va devenir le portraitiste de la bourgeoisie américaine, de certaines actrices notamment, et qui va avoir qui veut conquérir aussi Hollywood. Donc il est approché, je crois, par Fritz Lang. Il y a un projet avec Fritz Lang qui est avorté. Et ensuite, il y a ce succès avec Alfred Hitchcock, qui, en fait, les producteurs ont un peu regretté quand même la signature du contrat d'Ali pour le film. Mais Hitchcock le disait, il disait, le seul qui représente le rêve, pour moi, c'est Dali. Et c'est pour ça qu'il avait choisi d'ailleurs pour ce film. Autre tableau étendard, quand même, on ne peut pas parler de ça sans montrer l'Europe après la pluie, tableau qui a été commencé d'être peint en France et terminé ensuite aux États-Unis, parce que Ernst, arrivant donc de son hydravion, il ne prend pas le bateau, mais il arrive grâce à un hydravion à New York, ensuite il part avec Dorothea Tanning, autre artiste qui deviendra son épouse, et il va donc en Arizona, et pour lui l'Arizona va être une vraie révélation, l'érosion, tous ces grands espaces, était déjà en fait entreaperçu dans ses œuvres qu'il avait commencé préalablement à réaliser dans les années 40, avec cette technique du frottage qu'il développe dès les années 20, où il réalise au sol donc des frottages sur du parquet, et ensuite il va développer cette décalcomanie où il appose du verre et des feuilles de papier sur de la matière. Yves Tanguy, qui ne rejoindra jamais la France ensuite, il se marie, comme je vous ai dit, à Kay Sage, il a la nationalité américaine, et ensuite il va devenir vraiment aussi l'un des artistes les plus américains, au fond, les plus saisissants, avec ces totems qui vont inspirer beaucoup de générations d'artistes, inspirés là non pas des grands espaces américains, peut-être aussi en référence à sa Bretagne natale, et à ses domaines, et à des ossements aquatiques. Kay Sage, je vous montre quand même des œuvres de son épouse, des œuvres absolument saisissantes. Il faudrait un jour faire une exposition Kay Sage, peut-être le Centre Pompidou, on aurait les moyens, pourquoi pas aussi le musée Cantini, hein, on pourrait le faire. Cette œuvre est absolument remarquable, Tomorrow is Never de 1955, un tableau, un chef-d'œuvre du Met, Metropolitan Museum of Art. Dorothea Tanning, donc, je citais, on passera trop vite sur cet artiste absolument majeur aussi dans le développement du surréalisme ensuite, dans cette figuration fantastique d'un surréalisme transatlantique, avec cette référence peut-être aussi au mariage avec Max Ernst, un tableau peint en 1947, des références aussi à Giorgio Di Chirico au fond de la composition, avec cette gare et cet espace un peu métaphysique. Bon, on en parlera, on en a parlé beaucoup hier avec Alba, Jacqueline Lamba va avoir une production américaine assez intense, et là elle va être aidée, non pas par André Breton de fait, mais par Marcel Duchamp, qui va l'exposer, qui va être son curator, encore une fois, pour certaines de ses expositions, qui va la soutenir, et donc elle va avoir toute une production aux côtés de David Herr, notamment. C'est à ce moment-là, peut-être libérée de Breton, que ça donne entièrement, là, vraiment à la peinture, elle était déjà convaincue d'être artiste, mais là, elle est d'autant plus convaincue d'être peintre, et nous le sommes tous aussi, et on montrera donc tout cela, cette aventure, en 2024. Pavel Tchelik, pardon, c'est difficile à prononcer, Pavel Tchelichou, du coup, avec un versant un peu plus, presque, on va dire, hallucinatoire, presque psychédélique aussi, de ces artistes dans les années 40-45, sont cette veine fantastique. Enrico Donati aussi, artiste américain, très important, à la fois sculpteur, peintre, avec ses paysages complètement fantasmagoriques. On va parler aussi de Louise Bourgeois, parce que
Louise Bourgeois, quand même, fait le lien naturellement avec, entre la France et les États-Unis. Elle naît à Paris, elle vient ensuite en 1938 aux États-Unis, à New York, avec ses œuvres absolument remarquables qui feront tout son succès. Et David Hare ou encore David Smith, parce que tout ça aussi se développe à travers la sculpture. Les assemblages, Man Ray, qui délaisse au fond, qui est arrivé lui en 1938 également, et qui délaisse un petit peu la photographie pour s'adonner à la peinture et aux poèmes objets, les assemblages, au même titre que Joseph Cornell. La boîte ici appartient aussi aux collections du musée Cantini. Rappelez toujours ces liens très forts avec nous. Un film aussi, on parlait d'Hollywood, il y a ce film expérimental d'Hans Richter, Dreams that Money Can't Buy. Je vous en parle un petit peu parce que je l'ai montré aussi pour l'expo Le Rêve. Hans Richter, il arrive, il doit quitter aussi son atelier qui va être complètement dévasté par les nazis. C'est un artiste allemand, hein, plutôt proche de la mouvance dadaïste. Il arrive à New York, Guggenheim lui commande en fait une anthologie du surréalisme aux États-Unis. Un film comme ça anthologique. Il a quelques dollars, je crois 5000 dollars en poche, et il va s'adonner en fait à un film collectif. L'idée va naître en fait d'une discussion sur les grands boulevards américains entre Fernand Léger et Hans Richter pour faire un film en fait collectif. Alors il va commencer le tournage dans un atelier qui est occupé aussi par un réalisateur de films porno. Donc évidemment ça tourne court au départ, il doit se reloger et ensuite il va commander à tout un ensemble d'artistes dont Max Ernst, dont Marcel Duchamp, Man Ray, Calder également, ou Fernand Léger, tout un ensemble de séquences qui vont constituer au fond un film collectif. Et c'est peut-être le seul témoignage de film collectif, en tout cas d'art collectif qu'on ait pu avoir aussi intensément produit aux États-Unis, parce que les artistes en fait vont être effrayés, notamment Pollock, notamment Motherwell, sont effrayés par les productions des cadavres exquis européens. Mata, donc, aussi est un grand représentant de cette période-là, qui représente par ses morphologies psychologiques toute la substance, un peu cette idée de la grande transparence d'André Breton à cette époque. Et il va illustrer aussi son poème Arcane 17. Là, on est vraiment dans l'idée du tarot, des arcanes, des figures vraiment tutélaires du tarot. Et il va travailler comme ça conjointement avec Breton. Et comme Dali, finalement, ou Masson, il va y avoir une rupture ensuite entre les deux. Gorky, qui est arménien, lui, d'origine, qui va fuir donc son pays natal à cause là, de notre génocide au début du siècle, va devenir aussi le témoin, en tout cas, et le représentant de cet automatisme très proche là, des surréalistes à l'époque. Gordon Onslow Ford, qui est peut-être Gordon Onslow Ford le premier à mettre en place l'idée du dripping lors de certaines de ses conférences. Et Pollock assiste aux conférences de Gordon Onslow Ford et voit se mettre en place ensuite toute cette peinture gestuelle de l'action painting qui est très connue. Et c'est dans l'atelier de cet homme, Stanley William Hayter, qui était basé préalablement à Paris dès 1927, qui accueille tout un ensemble d'artistes, un graveur, qui se délocalise ensuite aux États-Unis. Et c'est dans cet atelier, au fond, que vont se réunir beaucoup de ces artistes, où les rencontres vont se faire. C'est là que, par exemple, Pollock va apercevoir des gravures de Masson et vont peut-être aussi inspirer ces différentes techniques. Et ensuite, on aura donc ce groupe qui va se mettre en place, le groupe Dynaton, qui va se mettre en place plutôt à San Francisco, sur la côte ouest américaine, avec Lee Mulican et Wolf van Palen, qui est un artiste donc, qui utilise cette technique du fumage, très inspiré. Donc tous ces artistes ensuite vont essayer de créer leur propre mythe, un peu l'idée du mythmaker américain, pour puiser dans les racines même de l'Amérique, dans l'art amérindien. Pollock aussi est très inspiré par l'art évidemment des Indiens, et toutes ces peintures, en tout cas, ou tous ces dessins qu'ils pouvaient réaliser au sol, vont l'inspirer ensuite pour la suite. Et Palen va publier une revue, la revue Jean, qui fait la promotion littéralement de cet art. Voilà, bon, je terminerai peut-être parce qu'après, je crois que le temps file. Il y a d'autres interventions, on ne va pas pouvoir parler malheureusement sauf si, bon, il y a encore un peu de temps, mais il y a cette œuvre, en fait, moi, qui m'a interpellé, qui est une des rares œuvres collectives réalisées, donc là, par Jérôme Gamrowski, William Basiotis et Jackson Pollock. Elle date de 40-41. Et Motherwell, en fait, va décrire un petit peu ces séances collectives, ces essais complètement ratés, au fond, des Américains qui s'adonnaient à cela.
Il était absolument effrayé en fait, du résultat que pouvait donner en fait, un cadavre exquis ou une peinture ainsi collective. Le résultat, au fond, n'est peut-être pas très probant, mais en tout cas, ça va ensuite les amener à se libérer, je pense, littéralement. Clément Greenberg va être leur théoricien, le grand promoteur de cette peinture à l'américaine, comme il a pu le définir. Et je montre quand même Rothko, un petit peu Rothko et Pollock. Tous ces artistes vont créer leur propre mythe, leur propre style, vont vouloir se défaire de l'idée de l'automatisme, bien qu'ils l'utilisent préalablement parfois, mais ça va devenir un automatisme. Je terminerai peut-être quand même avec cette œuvre de Pollock, le dripping qui scelle un petit peu la fin de cette aventure-là. Le dripping chez Pollock, cette œuvre comme ça réalisée au sol, devient un automatisme plastique et non plus de l'inconscient. Pollock est contre l'idée même de hasard. Il chorégraphie sa danse au-dessus de la toile à la manière d'un rite. Il y a quelque chose d'absolument primitif, une sorte de ritualisation de la peinture qui dépasse là, je pense, le registre même du surréalisme. Les surréalistes ont été aussi des grands promoteurs des arts primitifs, mais ces artistes-là, ensuite, vont tenter de faire table rase, repartir littéralement à zéro pour écrire leur propre histoire également. Donc je pense que c'est important aussi de le dire, et ça deviendra ce groupe fameux, en fait, des Irascibles de 1950, cette lettre ouverte, en fait, par tous ces noms de la peinture américaine contre les organisateurs, contre les conservateurs du Metropolitan of du Metropolitan of Art, et ils vont constituer comme ça un groupe absolument qui va révolutionner ensuite la peinture américaine et donner naissance à ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait. Voilà, donc je pense qu'il faut terminer, il me semble, mais merci de votre attention. Voilà, c'est une histoire très longue, on pourrait parler des heures, mais voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés en tout cas pour la saisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet exposé très complet, très riche. Alors, pour que René puisse faire son exposé, je veux bien que vous posiez 2-3 questions, si vous le voulez, pour rebondir sur ce brillant exposé. Qui est-ce qui veut poser une question ? Ce n'est pas Jacques Hérold qui a fait la publicité pour le croque-fruit. Ah oui, pardon. C'est Jean Eiffel. Oui, absolument, oui. Voilà. On a reconnu le style de Jean Eiffel. Y a-t-il des questions Alors, on va enchaîner parce qu'on a pris un petit peu de retard et je veux bien que René... Bon, d'accord. Oui. Oui, oui, vous pouvez les acheter. Elles sont en vente au musée Cantini, tout à fait. À notre billetterie. Là, c'est bon, on a eu un réassort, donc tout est... Il y a l'exposition aussi Vieira da Silva, que je vous invite à voir. Hein. J'ai un peu de temps encore pour la promotion. Il faut voir, artiste qui s'est exilé aussi durant la guerre, qui est allé au Brésil. Elle. Alors, voilà. Bravo pour ce magnifique exposé entre Marseille et les États-Unis. Et je voulais juste rappeler un personnage oublié parce qu'il n'est pas surréaliste. Il est d'ailleurs exactement au milieu et au dernier rang de ta belle photo sur tout le groupe. C'est Amédée aux enfants. Oui. Il était la voix de l'Amérique. Donc il était aussi important dans le sens Amérique-France que Pierre Dac pour la radio de Londres. Et je l'ai connu quand j'avais 18 ans. Il était complètement oublié et malheureux à Cannes. Le musée Cantini a pu acquérir une de ses magnifiques peintures puristes. Comme il n'a aucun rapport avec les surréalistes, évidemment, il n'y a aucune raison de le citer. Mais du coup, on l'oublie constamment. Et on a eu la chance, enfin les plus vieux de cette salle, dont je suis peut-être la doyenne, ont eu la chance de le voir invité à l'école des beaux-arts de Lumigny, où il est venu donner 3 cours. Et ça lui a, je crois qu'il devait avoir au moins mon âge, 80 ans peut-être ou plus. Et il était tellement content d'avoir enfin la parole et de raconter ce grand mouvement qui n'avait rien à voir avec le surréalisme. Et juste, je trouvais gentil de le citer. Ça, puis il a une
production en plus assez différente de ce qu'il va faire aux États-Unis. C'est des gratte-ciel illuminés, des vues nocturnes assez remarquables d'ailleurs. Donc, on pourrait parler de plein d'autres artistes, Fernand Léger aussi, hein, Calder. Merci. Puisqu'on parle d'ABD aux enfants, j'ai envie juste de dire que c'est lui quand même qui a initié Leonora Carrington, donc lorsqu'elle était venue à Paris, quand elle avait donc 18 ans. Mais c'est important, aujourd'hui on parle tellement d'elle. Il y a beaucoup d'artistes au fond, même femmes américaines, qui voudraient parler de la deuxième génération de l'expressionnisme abstrait. Et je pense à Lee Krasner, je pense aussi à Frankenthaler aussi, qui est très importante. C'est des artistes qui mériteraient d'être découverts. Louise Nevelson aussi, qui est proche aussi de la mouvance surréaliste, qui a été soutenue, montrée la première fois en France par Daniel Cordier. Une exposition, une rétrospective en ce moment à Venise. Et il y a tout un travail aussi à faire auprès de ces artistes. Merci beaucoup, Guillaume. On va laisser la place à René, qui va nous parler des associations de sauvetage à Marseille, et notamment de l'AICM. Je voudrais bien qu'il lance le PowerPoint. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est difficile de succéder à un tel exposé. D'abord parce que nous ne sommes pas au même niveau. Moi, je ne vais pas aborder quelque chose qui va vous faire plaisir pour les sens, les yeux, etc. Moi, je vais aborder quelque chose de douloureux. Et je vais parler des associations de sauvetage à Marseille. Pour commencer, je vais vous donner mon plan d'intervention. Et comme je devais remplacer en partie mon collègue et ami Robert Mancherini en première partie, je vais vous parler d'une manière beaucoup plus générale des associations de sauvetage à Marseille en posant deux questions. Pourquoi et qui ? Ensuite, j'aborderai le problème qui m'intéresse dès le départ, c'est l'AICM, en vous montrant que c'est une association qui était reconnue, disons presque d'utilité publique, et qui doit affronter une tâche véritablement harassante. Cependant, c'est une association indispensable pour les filières d'évasion. Et enfin, dans une troisième partie, en me pressant un peu, j'aborderai les filières d'évasion et la priorité qui s'impose à tout le monde, à tous ces réseaux, c'est le sauvetage des enfants. Alors d'abord, je vais commencer par un point important qui me paraît important au niveau de l'historiographie. Cette question des sauvetages ou des résistances de sauvetage a intéressé tardivement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans les premières années de l'écriture de l'après-guerre, on n'acceptait pas terme de résistance pour le sauvetage. Le mot de résistance était, le concept de résistance était conçu comme appartenant à la résistance armée. Et il a fallu du temps et un livre magnifique de mon ami Jacques Semelin, Sans armes face à Hitler,
pour définir un nouveau type de résistance qui incluait le sauvetage et qu'il a nommé résistance civile. Et voilà pour comment on associe résistance à sauvetage. Alors, qui intervient? Et je devrais dire d'abord pourquoi ces associations interviennent et qui. Alors, première raison qui me paraît souvent occultée, c'est que ces associations ont été sollicitées par les autorités. C'est le cas de l'AICM, c'est le cas des Quakers, c'est le cas de l'IMS, je vais développer tous ces sigles, et ce sera le cas aussi de la SSAE. Alors, les Quakers d'abord, c'est l'American Friends Service Committee, qui est une société religieuse des Amis. Et le secours Quaker participe à l'été 40 à l'aide aux réfugiés du Nord, puis très, très normalement à une action plus générale en faveur de tous les réfugiés. Il a établi son siège à Marseille, au cœur même de Marseille, 29 boulevard d'Athènes. Et il a des délégations dans d'autres villes comme Paris et Lyon. Alors, selon Joseph Vuel, qui est un médecin qui est très engagé dans l'action de sauvetage et qui, en 1946, commence à dresser un premier bilan. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais on a gardé son témoignage parce qu'il est très important. L'association Quaker fut présente dès la première heure jusqu'à la dernière dans la vie des camps. Ouverture de cantines, repos collectif, foyer, soupe populaire, action vestimentaire. Autrement dit, les Quakers participent absolument à tout sauvetage. La deuxième, et elles vont intervenir notamment avec, en aide avec d'autres associations pour le sauvetage des enfants. La deuxième association, c'est l'IMS, International Migration Service. Cette association était, on y pense, dès 1914. C'est-à-dire que très rapidement, on se dit qu'il va falloir créer une association internationale pour prendre en charge les migrants. Et c'est l'IMS qui devient d'ailleurs une association indépendante. Elle est proche de la Croix-Rouge, mais elle reste indépendante. Alors, au passage, je souligne que vous avez vu une photo tout à l'heure, celle du départ sur le Paul Lemerle en mars 41, où il y avait Sears, Lévi-Strauss, Breton, etc. Souvent, dans les bouquins d'histoire, on trouve que ce capitaine Lemerle a été en fait l'action de Fry. C'est vrai pour beaucoup d'entre ces personnages. Sauf un, c'est Segers. Anna Segers n'a pas été aidée par Fry. Elle a été aidée par l'IMS. C'est important à souligner, même si c'est un petit détail. Alors, ça, c'est, ces associations ont été sollicitées par les autorités, j'expliquerai tout à l'heure en expliquant le cas de l'AICM. Deuxième raison, il y a une proximité de destin et d'histoire entre certaines de ces associations et le destin juif. C'est le cas de la CIMAD. La CIMAD, qui est un comité d'aide aux évacués et aux réfugiés, et qui est protestante. Donc, on souligne très généralement la proximité entre le destin des protestants et le destin des juifs.
Il y a, troisième raison, une action humanitaire de résistance, et c'est le cas de Témoignages chrétiens. Témoignages chrétiens qui est un réseau de résistance, mais aussi de sauvetage, dans lequel interviennent des personnages malheureusement pas très connus, comme Malou Boum David, qui a été une résistante notoire marseillaise, et qui distribuait les cahiers de témoignages chrétiens en faisant du porte-à-porte, mais il a eu avec elle, et la soutenant vraiment, la philosophe Simone Veil, qui était donc de passage à Marseille et qui est rentrée dans Témoignages chrétiens. Et enfin, dernière raison, mais non la moindre, il y a les associations spécialisées comme l'OSER. L'OSER, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Alors, je vais en parler un petit peu, mais auparavant, j'avance. Alors, la CIMAD, la voilà. Et la CIMAD, donc, je dis que c'était Comité Intermouvement auprès des évacués. Elle est fondée le 18 octobre 1939. Par des mouvements de jeunesse protestants, et en 40, elle est dirigée en quelque sorte par une maîtresse femme que vous voyez ici et qui s'appelle Madeleine Barrault, qui essaye de rentrer dans les camps et qui réussit à implanter la CIMLAD dans les camps, comme le fera un peu plus tard l'ASM. Alors là, vous avez quelques photos. Vous voyez Madeleine Barrault aux côtés d'autres personnages qui vont jouer un rôle. Alors, je vais en arriver à l'OSER. L'OSER, œuvre de secours aux enfants. Certaines de ces associations, et notamment les associations caritatives juives, ont un berceau commun. Elles ont pris naissance dans le mouvement hygiéniste qui a succédé au grand mouvement juif qu'on appelle le mouvement des Lumières, la Haskalah, et qui voulait rénover de l'intérieur le peuple juif. Donc, ces associations, que ce soit l'AISM ou que ce soit l'OSER, sont nées fin de siècle en Russie. Mais elles ont eu ensuite un rôle international, et donc elles ont déménagé, après avoir joué un rôle important, elles ont déménagé dans les capitales européennes, Berlin, puis Paris, où à Paris, toutes les deux deviennent des associations françaises, à ne pas avec des dépôts de statut déposés dans les préfectures françaises. Mais il ne faut pas confondre ces associations avec leur union internationale, qui sont de véritables ONG. Donc l'OSER participe à ce... C'est un vrai réseau de sauvetage, et elle participe à Marseille en particulier, à Marseille, au sauvetage de deux catégories de personnes, les enfants d'abord et ensuite les seniors, les vieillards. Alors là, vous avez des photos qui sont prises à Bompard, à l'hôtel Bompard. Pourquoi l'hôtel Bompard? Parce que quand on interne les étrangers à Marseille, on sépare les hommes des femmes. Les hommes sont envoyés aux milles, au camp des milles, et les femmes sont envoyées dans des hôtels qui ont été réquisitionnés et dont certains sont très connus. C'est l'hôtel Terminus du port, parce qu'il fallait qu'il ne soit pas très loin du port. L'hôtel Terminus du port qui est au boulevard des Dames, l'hôtel Bompard qui est aujourd'hui devenu un hôtel de très grand luxe et qui a été longtemps réquisitionné à chaque fois qu'on avait besoin d'un hôtel pour y mettre des réfugiés. Et les patrons qui étaient des Libanais acceptaient volontiers, moyennant
réfugié, donc avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors cet album peint a été réquisitionné et il est visité par deux réseaux, mais qui travaillent en commun. C'est d'une part l'OSE et c'est d'autre part l'American Committee for Identity. Enfin, alors là, dans ces photos, vous avez la photo ici. Ah, mais je ne sais pas si on peut utiliser ça, oui. Bon, bah, ça ne fait rien, je vais utiliser. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Très bien. Alors ici, vous avez un docteur et sa femme, la femme du médecin, c'est le fameux docteur Zimmer, qui a été cofondateur du dispensaire qui va s'installer avec l'OSE à la rue d'Italie, au 25 rue d'Italie. Il y avait un dispensaire qui était alimenté par l'OSE et par les Quakers. Et donc, ici, vous avez Madame Zimmer qui est en train de travailler avec Margot Stein. Margot Stein, qui est une jeune réfugiée roumaine qu'on revoit ici, et qui est une jeune réfugiée roumaine qui a été accueillie par l'OSE pour travailler à Bompard. Et là, vous avez des enfants, donc ici, distribution A. Ici, vous avez distribution de soupe aux seniors et en bas, réunion des enfants sous la houlette d'une femme merveilleuse qui jouait le rôle d'assistante sociale à l'OSE, qui est André Salomon. Alors, André Salomon a joué un rôle extrêmement important dans le réseau OSE. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a recruté beaucoup de gens pour qu'ils travaillent au sein de l'OSE pour le sauvetage. Elle les recrutait généralement dans un milieu strasbourgeois. Pourquoi strasbourgeois ? Parce qu'au lieu, normalement, il y avait un plan d'évacuation de l'Alsace et de la Lorraine qui est prévu et qui, lors de l'invasion des Allemands, les Strasbourgeois, les Lorrains, devaient être évacués vers le Périgord. Or, il y en a beaucoup qui, plutôt que d'aller dans le Périgord, sont venus à Marseille et se sont installés à Marseille. Ça a été le cas d'André Salomon. Donc, elle a recruté beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes qui ont alimenté ce réseau OSE et qui ont en quelque sorte animé le sauvetage des enfants et des adultes. Alors je voudrais aussi vous parler à côté d'André Salomon d'une autre jeune femme qui, elle, a eu une vie exemplaire, c'est Nicole Salon-Veil. Nicole Salon-Veil est aussi une jeune femme qui a d'abord travaillé dans une maison d'enfants des Rothschild, la Guette, et qui, lors de la fermeture de cette maison, est descendue vers le sud et s'est retrouvée embauchée par Julien Samuel, qui dirigeait le côté OSE du dispensaire et de l'organisme OSE à Marseille. Elle a été engagée comme assistante sociale. Et c'est une de celles qui a été les premières à visiter les hôtels du Levant, etc., pour visiter ces femmes qui étaient enfermées, en quelque sorte, dans ces hôtels. Et Nicole Salon-Rouel, bon, elle devait avoir 22 ans, elle se marie avec Jacques Salon. Le mariage dure 3 mois et arrive l'année 42 où tous les Juifs, enfin une grande partie des Juifs, quittent Marseille parce que ça devient dangereux. Et donc les réseaux de sauvetage se disloquent ou se dispersent. Alors elle part à Nice pour
pour prendre en charge une partie des enfants et les orienter ensuite vers le côté, vers le côté italien. D'abord, malheureusement, elle est dénoncée et elle est prise, donc elle est arrêtée avec les enfants qu'elle ne veut pas quitter. Donc elle les accompagne volontairement à Drancy. À Drancy, elle les suit. Vous savez que pendant longtemps à Drancy, il y a eu séparation entre les enfants et les parents. Elle les suit, elle ira avec eux à Auschwitz. Et à Auschwitz, elle refuse de se séparer d'eux. Et au lieu d'aller sur la file de droite parmi les gens qui sont gardés au camp pour travailler, elle va avec les enfants sur la file de gauche et elle les accompagne jusque dans la chambre à gaz. Voilà pour Nicole Salonvel et pour Lozé. Souvent, on oublie de parler dans ces réseaux de sauvetage du rôle d'association menée par des rabbins. Alors, avant de vous parler de l'un de ceux que j'ai découvert au cours de mon travail d'archives, je voudrais vous parler d'abord du rabbin Salzer. Rabbin très connu à Marseille, c'est lui qui dirige la communauté depuis les années 1929. Et il a ces gens-là, que ce soit le rabbin Salzer ou le rabbin Schner, ou le rabbin Hirschler que vous avez à côté, rabbin Salzer ici, rabbin Hirschler ici, ces gens-là mènent du sauvetage clandestin parce que très souvent, encore aujourd'hui, on ignore une grande partie de ce qu'ils ont fait au niveau du sauvetage. Sauf Hirschler, qui lui avait été nommé aumônier général et qui donc faisait du sauvetage pratiquement à ciel ouvert. Donc ils ont là joué un rôle. Mais il y en a un autre qui a joué un rôle important et dont je voudrais vous parler ici, c'est le rabbin Zalman Schneerson. Zalman Schneerson, peu connu, il y a quelques lignes sur lui dans l'auberge des Jussiens de Léon Poliakov, où il le décrit claudiquant et disant « il vole plutôt qu'il ne marche ». Et c'est dire la personnalité de ce monsieur. Or, ce monsieur avait une association qui s'appelait, et qui était une association de sauvetage et d'aide, qui s'appelait l'AIP, l'association israélite pratiquante. Et cette association s'est installée dans une maison que, grâce à des Américaines venues retrouver leur passé, nous avons retrouvé. C'est en général dans les archives, ça s'appelle la vieille chapelle. La vieille chapelle, c'est cet immeuble qui existe toujours, qui est aujourd'hui transformé en chambre d'hôtes et que vous voyez ici, cet immeuble où Zalman Schneerson recueillait adultes et enfants. Mais surtout, il a eu une action de sauvetage extraordinaire dans la mesure où, quand les parents abandonnaient leurs enfants sur le trottoir lors de rafles parce qu'ils voulaient les sauver, ces gosses étaient à l'abandon. Et donc, Zalman Schneerson venait les récupérer, les emmener dans cette maison de la vieille chapelle où, grâce au Joint, le Joint est une association américaine qui fournissait l'argent. Grâce au Joint, il a pu entretenir ses enfants et leur faire suivre ce qu'on appelle la kashrout, c'est-à-dire les règles de repas kasher. Il l'a fait pendant quelques années, mais arrive un moment où, je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, 42, eh bien,
il sait très bien que les Allemands vont arriver dans le sud et il s'en va, il quitte Marseille avec ses jeunes protégés et donc il s'en va dans l'Ariège. Donc il a réussi à sauver des enfants. Mais ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est les moyens dont il avait disposé. C'était quelqu'un qui se débrouillait extrêmement bien pour faire ce travail. J'en arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire l'AICM. Alors l'AICM, je vous ai dit déjà, je vous l'ai annoncé. L'AICM, c'est une association reconnue. Alors, et j'en arrive au pourquoi de tout à l'heure. Pourquoi les autorités s'adressent-elles à certaines associations qui ont pignon sur rue? Mais tout simplement parce que dès 40, Marseille est submergée par les réfugiés. Il y en a qui dorment dans les gares, il y en a qui dorment dans d'anciens camps, il y en a qui... Il n'y a plus de place à Marseille. Alors, les autorités, notamment la préfecture, veulent faire le vide. Alors, il y a un moyen de faire le vide, c'est d'envoyer certaines familles en résidence surveillée. C'est ce qui arrive dans toutes les petites communes aux abandonnantes. Par exemple, on a retrouvé des traces de personnes qui ont ensuite été déportées à partir de Pertuis, qui était devenue une zone de refuge pour les personnes assignées à résidence. Mais il y a un autre moyen, c'est d'essayer de mettre ces gens qui étaient entre guillemets en trop dans des camps ou carrément de les faire émigrer. Alors, première solution, les mettre dans des camps, mais la préfecture et la police sont un peu démunis. Alors, c'est le ministère de l'Intérieur qui conseille de s'adresser aux sociétés dont je vous ai parlé tout de même en leur demandant leur aide. Et la liste des gens, alors les autorités vont faire des listes par nationalité pour envisager des pays de migration. Ça, c'est une chose. Mais les queues commencent à se faire devant les consulats. Le consulat des États-Unis affirme recevoir quelque chose comme 200 visiteurs par jour. Le consul du Mexique annonce 35 000 demandes d'émigration. Et ce consul du Mexique, c'est Gilberto Bosques. Et ce consul a en vue un château qui n'est pas très loin de Marseille, la Reynarde, sur la route d'Aubagne. Il a en vue un château où il va installer ses Espagnols, mais en attendant de les faire partir. Donc lui a un lieu, mais il faut chercher des hébergements. Alors, la police est mise à contribution, elle enquête, surtout sur les locaux fermés. Ces locaux, c'est par exemple une ancienne usine désaffectée au Canet. C'est où ont été hébergés 300 soldats pendant la guerre. Ce sont des hangars, ce sont des cliniques, la clinique de Mazarin, mais petite, elle offre seulement 48 lits. La clinique de Verplan, idem, 100 lits. Et puis on trouve l'hôtel Terminus du Port au boulevard des Dames, qui peut offrir jusqu'à 300 lits. L'hôtel Atlantique, à côté, 250 lits. C'est le seul qui est trouvé. Et puis, on parle aussi de l'hôtel du Levant. Alors là, je vous ouvre une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs qui sont propagées sur cet hôtel du Levant. L'hôtel Levant, on le
prend souvent comme un hôtel réquisitionné par les autorités pour mettre les femmes étrangères dedans. En réalité, l'hôtel du Levant a été loué par une association caritative juive pour héberger des réfugiés. Et quand Marseille devient un trop-plein, alors à ce moment-là, les directeurs de l'UGIF, parce que c'est intégré dans l'UGIF, acceptent de céder une partie de l'hôtel du Levant à cet usage. Mais en fait, il deviendra avec le temps un hôtel de transit, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on... Et puis, on trouve, bien sûr, on a trouvé le camp des Milles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces lieux qui vont abriter des gens qu'on veut mettre en dehors de la citoyenneté? Eh bien, c'est d'abord que on cherche des lieux qui ont été faciles à aménager et qu'on aménagera, mais malheureusement, ce ne sera pas fait. Et le critère, c'est d'avoir beaucoup de WC pour les enfants. Voilà pour le premier point, c'est-à-dire trouver des lieux d'hébergement pour ce qu'on commence à appeler les indésirables. Deuxième point important, c'est qu'il faut trouver des bateaux. Marseille est le seul poumon ouvert sur le monde. Tous les autres ports ne sont pas praticables. Mais il faut trouver donc des bateaux. Et c'est là qu'intervient l'AISM. Elle est autorisée à affréter des navires pour permettre à ces gens d'émigrer sous des cieux meilleurs. Cette ISEM, c'est une association d'aide à l'émigration. Je contracte un peu les mots parce que c'est difficile, c'est du russe. Et qui a travaillé à faire émigrer beaucoup de gens dès la drôle de guerre. Et à Marseille, elle arrive en août 40, c'est-à-dire au moment où Frey arrive. Elle arrive en août 40 et le siège provisoire qui est rapidement ouvert voit ses portes forcées à toute heure de la journée par un nombre croissant de réfugiés en détresse. Il est rapidement fermé. Et à ce moment, les directeurs, Édouard Ungre et Raphaël Spanien, sont reçus par le préfet le 20 et le 30 septembre 1940. Et ils demandent l'autorisation de reprendre les activités de l'association en vue de favoriser l'émigration des Israélites étrangers. Ils remettent un rapport. Et dans ce rapport, ils insistent sur trois points avec beaucoup d'habileté. Le premier point, c'est que permettre à cette association de jouer va permettre d'éliminer, à un moment où le chômage est important, d'éliminer des chômeurs potentiels en les faisant émigrer. Deuxième argument politique, celui-là, ben c'est que l'AISM a l'habitude de ce genre d'action. Donc, on peut lui faire confiance. Et finalement, comme l'autorisation tarde à venir, alors, à ce moment-là, Ungre et Spanien décident de s'installer dans un lieu qui va devenir mythique, c'est le 425 rue Paradis, c'est-à-dire là où va s'installer un peu plus tard la Gestapo, qui vont être obligés, bien sûr,
de quitter dès que la Gestapo arrive. Alors, cette association bénéficie d'aides financières importantes. Aides financières importantes, d'abord, elle bénéficie de l'aide des autorités locales qui la considèrent comme une association d'utilité publique. Le deuxième point, c'est qu'elle bénéficie de l'aide du joint et de contrats d'échange qui sont les suivants et qui vont être très avantageux. Le joint envoie de l'argent à la ISEM. La ISEM aide les futurs migrants à partir, moyennant quoi ils laissent une partie de leurs avoirs qui sera reversée au joint. Donc ça, c'est un échange, un troc en quelque sorte. Un deuxième point important, c'est que l'ISM va bénéficier d'une autorisation de change très avantageuse qui a été autorisée par les autorités en place. Elle est aidée, cette ISM, alors donc en fait elle est reconnue d'utilité publique. Elle est aidée par plusieurs ministères, le ministère des Affaires étrangères, par exemple, le ministère de l'Intérieur, par exemple, encore, et elle peut affréter des navires. Et elle va se lancer, d'ailleurs, dans une politique de recherche de filières pour cela. Mais une tâche harassante, cette tâche, c'est qu'au lendemain de l'armistice, l'ISM commence par prendre en charge tous les dossiers qui sont dispersés dans les villes européennes. Et elle va nouer des liens avec les différents consulats, USA, République dominicaine, République du Brésil, etc. Donc là, déjà, elle joue un rôle important. Ensuite, elle va proposer des filières. Alors, il y a la filière, je passe à la filière des. Aux filières, à travers des cartes. Alors là, vous avez les filières qui sont utilisées par l'ISM et d'autres. Première des filières à partir de Marseille. Hein, et là, c'est en 1941. Alors, à Marseille. À partir de Marseille, première filière, c'est la filière à travers l'Espagne. Travers l'Espagne, puis arriver au Portugal, Lisbonne. Lisbonne, on peut prendre un bateau pour New York ou bien pour la Martinique, c'est ce que fera le Paul Le Merle, ou bien encore pour Buenos Aires, c'est ce que feront d'autres. Alors, Pour la traversée de l'Espagne, la filière la plus connue, c'est celle qui est soutenue par Fry. C'est la filière par Cerber Port Debout, c'est-à-dire la voie F, celle qu'on appelle la voie F, du nom de ceux qui jouent le rôle de passeurs, ce sont les FITCO. Mais avant les FITCO, il y avait Dina Averni qui avait utilisé cette route indiquée, Dina Averni, c'était la compagne de Mayol. Donc, voilà une première filière qui est mise en place. Mais rapidement, cette filière soit est surbookée, soit impossible, parce que souvent, la frontière espagnole est fermée. Et c'est ce qui est arrivé à Walter Benjamin, quand il traverse, il suit la filière F jusqu'à... Non, j'ai pas besoin de... Combien de temps ? 5 minutes. Ouh. Oui, c'est la quadrature du cercle, mais je vais essayer. Bon, alors donc, je disais, Benjamin traverse avec FITCO, traverse une partie de la frontière, mais arrivé à un moment... Il
fatigué, il doit s'arrêter. Et là, il va se suicider plutôt que de retourner ensuite. Alors, quand ça devient trop difficile de passer par l'Espagne, il y a une autre filière qu'on appelle la filière casablancaise. Pourquoi la filière casablancaise ? Eh bien, parce qu'elle va, aboutir là au Maroc, à Casablanca, et de Casablanca suivre tout le cheminement nécessaire pour aller ailleurs. Alors, cette filière commence. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne peut pas circuler par Gibraltar. Ça devient très difficile parce que Gibraltar, il y a les Anglais et risque d'arraisonnement par les Anglais. Donc, on envoie des bateaux avec l'aide du gouvernement. On envoie des bateaux vers l'Algérie, Oran et autres. Et de là, les réfugiés prennent le train, surtout un tournant qui s'appelle Oujda, et ils vont vers Casablanca. Et de Casablanca, là, il y a un camp d'accueil moyennant paiement qui accueille les réfugiés. Et au bout d'un certain temps, ils peuvent repartir. Alors, ils partent vers Dakar. Et puis, parfois, ils font tout le tour de l'Afrique pour aller jusqu'à dernière filière, celle de Shanghai, celle Shanghai en Chine, ou Shanghai, pourquoi Shanghai ? Parce que là, on ne demande ni visa de sortie, ni visa d'entrée, rien du tout. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés qui arrivent à Shanghai. Soit ils arrivent par bateau, soit, pour ce qui nous concerne nous moins, à travers le transsibérien, là, et puis de là, ils prennent les bateaux, ils vont à Shanghai. Donc ça, c'est la dernière filière, celle des Chinois. Mais je précise que il faut beaucoup de papiers pour partir. Il faut un visa de sortie, il faut un visa à chaque escale, un visa d'accueil. Eh bien, certains consuls jouent le jeu. Et là, on ne peut que souligner leur rôle. Ils distribuent des visas. Et il y a un visa. Alors, les réfugiés savent très vite par bouche à oreille où il faut aller chercher un visa. Et il y a un consul de Chine qui vend des visas. Malheureusement, donc, c'est écrit en chinois. On ne peut pas savoir ce qu'il y a écrit dessus. On laisse passer. Mais malheureusement, ce qui est écrit, traduction faite, ne permettez pas à ce réfugié d'entrer en Chine. Et ça, voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est alimenté comme ça. Et ça, c'est 41. La deuxième étape, c'est 42. Et vous avez ici, voilà la filière Casablanca avec Alger, Bonne, Oran, Casablanca et départ vers là. Et là, et après 42, l'immigration s'arrête, c'est la solution finale. Et je vais m'arrêter là, je pense. Merci. On va prendre quand même quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions et pour remercier René de cette intervention. Y a-t-il des questions ? Oui, pardon. Pardon. Excusez ma question qui peut-être est un peu incongrue. Je vois quand même qu'en 1940, il y a une force de résistance pour faire partir de France des gens qui étaient en danger. Et vous l'avez très bien raconté. Mais Moi, je ne suis pas de Marseille. Je suis arrivée à Marseille ces quelques jours. C'est pour ça que ma question est incongrue. Je vous parle d'aujourd'hui. Je vous parle de ces multiples lits qu'on voit sur les trottoirs, de ces enfants qui passent la nuit dehors, de ces bébés au bras de leur mère.
Je parle à certains, ils sont albanais, ils viennent, ils sont venus par des cars, on ne sait pas. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, vous êtes historienne, c'est une question incongrue, je le répète, mais qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens dont certains vont mourir bientôt de froid ou de faim ? Je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde sur la situation aujourd'hui ? Je ne peux que constater avec peine ce qui arrive, mais je ne peux pas vous répondre. Bon, je vous prie de m'excuser d'avoir pris du temps. Il y a des gens je vous en prie. J'ai oublié de vous montrer quelque chose de très peu connu au point... Il y a un problème. Je voudrais montrer une dernière image, si c'est possible. Voilà. Alors, cette image d'un monument dédié à la mémoire de l'AICM et de ceux qui ont sauvé des gens, on ne sait pas d'où elle vient. S'il y en a parmi vous qui peuvent me renseigner, j'en serai ravie. La seule chose qu'on sache, c'est qu'elle est dédiée à l'AICM et au CAR, c'est-à-dire au comité d'assistance des réfugiés. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous présenter un court film d'Alain Guyot, ici présent, qui a été réalisé avec Julien Guyot, son fils, qui s'appelle Varian Fry 1964, qui raconte en fait, quand Varian Fry retourne à la Villa Herbel. Et donc le film est aussi une reconstitution 3D de la villa. Et on en discutera un petit peu après aussi avec Alain Guyot, ici présent, si vous le voulez bien. Lors de mon voyage en France en 1964, je décide de revoir Marseille et la Villa Herbel. Je prends le tramway à la gare Noailles, comme je le faisais chaque jour en 1940. Je quittais la ville pour un paysage de campagne. Je descendais avenue Lombard. Je longeais la voie ferrée jusqu'à l'entrée du domaine d'Herbel. Un moment d'émotion me saisit en franchissant le tunnel. Je redécouvre Herbel telle que je l'ai quittée, avec sa grande allée de platanes majestueuse et ombragée. Je redécouvre ses prairies vertes et ses arbres fruitiers. Il manque dans ce paysage champêtre la vache clandestine qui nous fournissait le lait. Un aboiement lointain me rappelle Clovis, le petit chien que j'avais adopté. Plus loin, sur la hauteur, la villa domine la plaine. Le chemin devient plus escarpé en serpentant la colline bordée d'une calade. L'arrivée est solennelle, gardée par 5 cèdres qui font la sentinelle. Je me souviens, dans la colline, quand nous allions chercher du bois avec mes protégés pour nous chauffer, les nuits d'hiver étaient glaciales dans la villa. En franchissant la grille,
je retrouve cette grande terrasse ombragée. J'imagine Jacqueline en train de se balancer. J'entends aussi le brouhaha des discussions animées. Je m'approche du perron et de cette régalade qui embrasse la vallée. Je découvre à mes pieds le jardin et ses allées de buis. Son bassin autour duquel on aimait se retrouver pour tromper l'ennui. L'attente des visas, des affidavits, des billets. Devant ce grand panorama des monts de Saint-Cyr qui nous mène jusqu'à la mer, promesse de nouveaux horizons. Voilà la villa et ses trois niveaux. Tout en haut, ma chambre, celle de Vladi et Marie-Jeanne Gold. Au premier étage, à gauche, la famille Breton. André, sa femme Jacqueline et leur fille Aube. Au milieu, la bibliothèque. À droite, la famille Bénédite. Daniel, Théo et leur fils Peter King. La terrasse ombragée était le lieu de rencontre dominicale. À l'est, la grande serre. L'hiver, au moment plus froid. On aimait y séjourner. L'ambiance était exotique avec ses deux palmiers. André Breton et Wilfred Olam travaillaient sur les illustrations de Fata Morgana. Après mon départ, en septembre 1941, Daniel Bénédite m'informait que la situation devenait de plus en plus difficile pour s'approvisionner. Aussi, ils menèrent une campagne de plantation de légumes, de choux, de salades, de carottes pour subsister. Pendant les moments de détente, les moins frileux se baignaient dans le grand bassin d'arrosage. Herbel fut le moment le plus intense de ma vie. Moi, Varian Fry, journaliste et humaniste. Le papillon s'est échappé de la collection du docteur Thumain. Le trapèze, c'est Jacqueline, bien sûr.
au colloque de Jean-Michel Guiraud et qui a été poursuivi et amélioré, et bravo pour ce travail. Et donc c'est une excellente transition parce que maintenant on va passer à une petite cérémonie qu'on doit à Alain Guyot, comme on lui doit ce film, puisque après des décennies de travaux, de recherche en tant que professeur à l'école d'architecture, et puis en tant que passionné par l'histoire de la Villa Herbel, il va nous céder à l'association Villa Herbel cette maquette qui va être exposée au centre social de Herbel, dont la directrice est ici présente, Sandra. Et donc, j'invite les représentants de l'école d'architecture qui ont participé à cette construction, à cette conception, et Alain Guyot de me rejoindre sur la tribune. Et bravo encore. Je te laisse la parole, Alain, pour présenter tout le travail que tu as fait, le fruit de très nombreuses années de recherche. Est-ce que la directrice de l'école d'architecture est présente ? Bon, on va quand même présenter deux minutes pourquoi cette maquette est là. J'aimerais aimé que Diana Paulin vienne avec moi. On ne va pas vous raconter 10 ans de recherche, parce que ça nous a pris une dizaine d'années, tout ça. Ça a commencé en 2008-2007, où Diana était déjà dans la confidence de l'histoire de Frey, avec la deuxième femme de Varianne Frey, Annette Riley-Frey. Et moi, j'ai été informé dans les années 2008-2009 de cette merveilleuse histoire incroyable de Marseille avec Frey et le comité américain de sauvetage. Et on a décidé en 2009 de présenter un projet qui s'appelle le projet Herbel 1940 dans le cadre de la formation des Marseille-Provence 2013. On a donc sillonné un peu partout les archives, les lectures. On est allé jusqu'à la Columbia University où il y a un fonds très important sur Varianne Frey et sur Herbel par conséquent. On est allé sur le terrain et comme j'étais en ce temps-là professeur à l'école d'architecture, j'ai associé les étudiants de l'école d'architecture. Ce qui explique que cette maquette qui est ici, en fait, est une maquette totalement originale. J'insiste sur le mot original, car rien n'avait été fait pour montrer le domaine et la villa. Et c'est par ces recoupements d'informations que nous avons menés, par le travail des étudiants qui ont fait également des relevés sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il reste, on peut dire, pratiquement rien de rien sur Herbel. Mais dans les années 2010, il y avait encore le portail, qui était un moment assez glorieux. Il y avait encore un mur de carreaux de faïence sur la colline qui abritait la cuisine de la Bastille. Enfin, il y avait un certain nombre de choses. Et des relevés partiels en relevés partiels, il a été possible de reconstituer cet ensemble. Et d'ailleurs, le film qui vient juste de précéder, c'est un travail qui est la synthèse d'une synthèse, c'est-à-dire de pouvoir redonner vie à un lieu disparu et de voir dans quel cadre particulier se trouvaient les habitants d'Herbel, les protégés de Frey, qu'il appelait aussi affectueusement ses clients, mais c'était vraiment une famille qui s'était créée dans cette villa Espervisa. Donc, je crois que le moment était venu que l'école d'architecture fasse une cession de ce travail, parce qu'elle a contribué largement à l'édification de ce projet, dans la mesure
où elle a soutenu sur le plan des éléments concernant la mise en œuvre, concernant l'édition d'un livre qui a permis de consigner tout ce parcours de recherche. Et la maquette a été utilisée pendant 8 ans à se promener de conférence en conférence, y compris dans les journées du patrimoine, notamment à Sanary-sur-Mer, qui est un des hauts lieux aussi des gens qui se sont retrouvés, des Allemands et des Autrichiens qui se trouvaient donc dans cette commune-là, sur cette période-là. Et Fetschwanger faisait partie de ces gens-là à Sanary. Voilà. Donc, Bernard, je représente en même temps l'école d'architecture et c'est le moment ou jamais de passer le témoin puisque l'association Villa Herbel aujourd'hui a pris ce relais de mémoire qui est très important. Ce sera une première contribution au futur musée qui est en projet et je te repasse le micro. Merci d'être le récipiendaire de ce travail gigantesque, la maquette, le film, la construction 3D. Et effectivement, l'idée, c'est de poursuivre tout le travail que tu as accompli pour pouvoir le diffuser. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume Tellière. L'idée, c'est de l'exposer. Alors, j'ai oublié de dire que le centre social, c'est le pavillon Castellane de la famille Thumain et que c'est dans ce lieu-là que va être exposée cette maquette qui sera donc visible pour les habitants mais qui sera effectivement un des objets très forts de ce futur centre d'interprétation qui sera complété par un parcours muséographique de plein air qui va raconter l'histoire de la Villa Herbel. Déjà en fin de l'année, un prototype de ce parcours va pouvoir être mis en place. Et puis un musée virtuel qui permettra de collecter, mettre à disposition les ressources sur l'histoire de cette villa et l'histoire de Varenfrei. Donc voilà, tout ça, on espère qu'on sera fidèle au travail que tu as accompli, que vous avez accompli, et qui permettra de faire connaître cette belle histoire. Merci. On se retrouve 14h pour la reprise des interventions, ici même, et bonne pause méridienne. J'invite les intervenants à rejoindre au buffet.